les projets, c'est... Non, c'est trop tard. Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous voici réunis pour, cette commission de validation des projets déposés au titre du budget participatif dans le 15e. Je vous rappelle aussi que cette réunion est diffusée en direct sur le site internet de la mairie du 15e. Je voudrais excuser d'abord l'absence de Pauline Véron, qui n'a pas pu se libérer cette année pour être parmi nous, mais représentée par Colline Berthaud, c'est vous-même, qui est conseillère à son cabinet. Comme vous le savez, chaque mairie d'arrondissement organise ce type de réunion pour arrêter la liste des projets déposés par les habitants et les conseils de quartier, projets qui ont été déposés entre le 8 janvier et le 4 février et qui seront soumis au suffrage des habitants dans chaque arrondissement du vendredi 7 septembre, je rappelle les dates, du vendredi 7 septembre au dimanche 23 septembre. J'espère que, comme d'habitude, nous aurons beaucoup de votants. J'ajoute que la maire de Paris organise mercredi 27 juin une réunion parisienne qui sera, quant à elle, chargée d'arrêter la liste des projets de nature parisienne. Vous savez qu'il y a deux types de projets, les projets par arrondissement et les projets d'envergure parisienne, qui seront eux aussi soumis, bien sûr, au vote des Parisiens pendant cette même période de septembre. Donc, notre commission, conformément aux recommandations de la mairie de Paris, composée du maire, c'est moi, merci, d'une représentante de la maire de Paris, c'est vous, bravo, d'un collège d'élus locaux de la majorité et de l'opposition, des présidents et vice-présidents des 10 conseils de quartier, de représentants d'instances de démocratie locale, SICA, CRE, conseil de gardien, etc., conseil des aînés, d'une quinzaine de représentants de l'administration, par exemple, d'à peu près toutes les administrations concernées, direction centrale et services déconcentrés. Voilà, enfin, tous ont été conviés, maintenant tous ne sont pas là, bien sûr. Cette réunion est retransmise, j'ai dit, en direct sur le compte Twitter aussi de la mairie. La vidéo sera mise en ligne demain. Cette année, pour entrer dans le vif du sujet, 197 projets locaux ont été déposés, dont 21 émanent des conseils de quartier. Bon. Record, le 15e est celui qui en a déposé le plus cette année encore. Alors après un premier filtrage, 115 projets, on est passé de 197 à 115 après rejet, regroupement, etc. 115 ont été sélectionnés par la mairie du 15e et adressés aux services centraux avant qu'un second filtrage technique administratif ne soit réalisé par les directions. 4 ateliers de co-construction ont par ailleurs été organisés par mon cabinet en avril, permettant à une douzaine de porteurs de projets de se réunir et de travailler à la fusion de projets similaires, donnant aux projets co-construits plus de poids, bien sûr, lors du vote de septembre, c'est l'intérêt. Comme l'an dernier, ce sont les mairies d'arrondissement qui administrent les tableaux de suivi des différentes opérations, un travail qui a mobilisé quand même à plein temps pendant plusieurs mois un chargé de mission à plein temps à mon cabinet, je le signe au passage. Un tableau recensant 115 projets que mon équipe et moi avons attentivement étudiés dans des délais évidemment très contraints. Un travail dont il résulte que 75 ont été approuvés, 36 rejetés et 4 toujours en instruction dans les services. Nous allons reprendre à présent la liste des projets contenus dans le tableau dont dispose chacun d'entre vous. Je vous propose de passer en revue ces projets direction par direction et de nous arrêter que sur ceux sur lesquels nous avons des remarques à formuler. Bien sûr, chacun peut prendre la parole à tout moment, les directions techniques en particulier, bien sûr, dont nous attendons l'expertise. Il suffit de lever le doigt parce qu'on ne va pas passer tous les projets, on ne passera que ceux sur lesquels vous avez des choses à dire. Avant de commencer cet examen un peu fastidieux qui va nous retenir comme une bonne partie de la matinée, est-ce qu'il y a des déclarations préalables, des interventions diverses et variées de l'une ou l'un ou l'autre d'entre vous? Non? Bon, on décolle. Alors allons-y. Alors on commence par le CASVP qui est représenté, ou pas du tout? Non? Ah pardon, mais qu'est-ce que vous faites là-bas perdu Mais vous n'êtes pas une administration de seconde zone, il n'y a pas de raison que vous soyez sur une banquette. De toute façon, ça va être très rapide pour vous parce qu'il n'y a qu'un projet et il y a un avis défavorable. Donc ça va être assez rapide. Donc vous pouvez rester où vous êtes et après vous pourrez partir, si vous voulez. Oui, alors un projet nous est soumis, il s'agit du 611,
portant sur l'acquisition d'imprimantes 3D pour un club senior. Alors, comme vous le savez, la mairie du 15e est très en pointe, parce que vous savez que vous êtes dans une mairie geek ici, ça ne vous a pas échappé. Dans ce qui concerne l'impression 3D, nous en avons acquis 3 que nous mettons à disposition des habitants et des associations une fois par mois lors de soirées 3D, oui, Printing Evening. D'ailleurs, nous en avions une hier soir à laquelle j'ai assisté et on a quand même, je ne sais plus si les responsables sont là, 20 ou 30 personnes qui sont venues, une trentaine de personnes qui sont venues pour travailler sur ces imprimantes 3D, donc ça commence à prendre de l'ampleur, c'est très intéressant. Alors, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que leur présence dans les clubs seniors est-elle utile? Et surtout, ça c'est quand même la chose la plus importante, n'occasionnerait-elle pas des dépenses de fonctionnement substantielles? Parce qu'on ne peut pas laisser une personne, senior ou pas d'ailleurs, mais enfin je parle devant ma conseillère déléguée aux aînés, seule devant une imprimante 3D sans assistance. Nous, il y a des assistances, on a des techniciens qui sont là en permanence, hein, pendant toute... Donc c'est la raison pour laquelle on a un avis défavorable. Mais c'est quand même un sujet intéressant. Je pense que les personnes peuvent venir ici aussi, mais ça, c'est plus difficile de se déplacer. Vous vouliez vous exprimer là-dessus? Il y a un micro, là. Effectivement, c'est un sujet très pointu pour des seniors. Ça demande quand même une technicité très, très, très importante et une formation d'un animateur. Donc, comme vous dites, je pense que ça va générer des coûts de fonctionnement importants, notamment pour les consommables, hein. Et on n'est pas persuadé de l'intérêt auprès du public senior qui, effectivement, nous sommes tous d'accord pour briser la fracture numérique, mais de la plonger tout de suite dans la troisième dimension, c'est un peu précipité à notre avis. Donc voilà, c'est pourquoi ce projet ne suscite pas grand intérêt auprès des seniors, il me semble. Moi j'ai plutôt un autre projet pour les seniors, enfin qui n'est pas là-dedans, mais bon voilà, quelqu'un m'en a fait la proposition récemment, c'est un projet de sorte d'écrivain public numérique. Alors ça n'a rien à voir avec l'objet participatif, parce que là c'est que du fonctionnement, mais justement par rapport à la fracture numérique que vous évoquiez, nous avons des assistants numériques ici, mais bon, c'est la facilitation numérique, mais on n'a pas de moyens, pas de personnel supplémentaire, donc c'est assez compliqué pour les administrations. Hein. Alors, il y a un club informatique, oui, mais je pense qu'il serait très intéressant de créer, parce que j'ai des chiffres quand même assez accablants, des écrivains publics numériques, vous voyez à peu près ce que ça veut dire, je ne rentre pas dans le détail, mais je pense que ça peut être... quand même une aide importante pour les seniors. Madame Schneider, qui est conseillère d'arrondissement déléguée aux aînés. Oui, bonjour. Je pense qu'il y a eu énormément de demandes au niveau de la formation en informatique, voilà, pour passer déjà à la 3D, parce que là, même pour nous, c'est compliqué. Voilà. Micro pour Madame Serac, conseillère de Paris, chef de la solidarité. Oui, et j'ajoute qu'au Club Fouquier, il me semble qu'il y a déjà des cours d'informatique qui sont donnés pour les seniors. Oui, Internet. Avoir initiation Internet. Initiation Internet. Donc là, ce serait peut-être plus facile, effectivement, de mettre quelque chose en place, un écrivain numérique. J'ai entendu parler de ce projet qui est très intéressant, et on est tout à fait disposé à accueillir des écrivains publics numériques dans les clubs. Ça nous sera très utile, et très utile aux seniors. Moi, je n'ai jamais eu de demande des aînés sur une des imprimantes 3D. J'en ai eu beaucoup par rapport à la fracture numérique, écrivain public ou autre, facilitation numérique, mais ça demande à être développé. Hein. Mais bon, c'est un autre sujet, ça ne fait pas partie du budget participatif parce que c'est que du fonctionnement. Bon, ok, donc avis défavorable. Alors, merci, et puis on vous libère. Hein, si... Alors, direction des affaires culturelles, je crois que vous êtes en face, coucou. 10 projets, en revanche. Comme quoi la culture passionne, mais c'est normal. C'est l'essentiel. Alors le 143 qui porte sur des murs de craie sur l'espace public, qui n'est pas retenu. Alors je propose maintenant de regrouper 3 projets sous l'intitulé L'île de la tentation. Quel programme pour un moi je suis d'accord pour y aller. Pour un montant total de 17 400 euros, 2 projets d'Ève et un projet d'Ac. Le projet 680 qui porte sur des reproductions de peintures historiques sur l'île aux cygnes.
avec un avis favorable pour un montant de 6 000 €. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des choses à dire. Non. Alors, je continue. Le 1556 qui porte sur la rénovation des 13 fauteuils de la médiathèque Yourcenar, validé par la DAC. Ces fauteuils datent de 10 ans et à l'occasion de cet anniversaire, d'ailleurs, pour soutenir ce projet, donc ce sera un cadeau d'anniversaire pour la médiathèque, 10 fauteuils. Il y a un auditorium aussi en prime, hein, quand même, mais ça, c'est autre chose. Alors, je suggère que ce projet, s'il est voté, puisse être mis en œuvre en collaboration avec l'ENSAMA, que nous avons reçu hier midi, d'ailleurs, son directeur, son proviseur, dans le cadre d'un projet scolaire. Donc, il y a un avis favorable pour 15 000 €. Bon, cher le fauteuil, mais enfin, bon. Oui, alors, effectivement, 10 000 €, c'était en tissu et 15 000 €... Attendez, parlez plus près du micro. Pardon, excusez-moi. 10 000 €, c'était des fauteuils en tissu et 15 000 € simili-cuir. Pour les 10 ans, je pense que ça se fait... Bon, donc, vous êtes une femme d'argent et vous aimez votre confort. Exactement. Parce que, non, mais non, je veux bien, mais bon. OK, bon. Donc, ce sera du simili-cuir. Bon, ok. Ensuite, le 1296 portant sur l'installation de lampes Wi-Fi dans la médiathèque et les bibliothèques du 15e pour 100 000 €. Le 1378 qui porte sur le renforcement de l'offre d'instruments de musique à la médiathèque Yourcenar. Alors, ça vient du fait qu'en début de mandature, j'ai acquis pour cet équipement culturel des instruments de musique destinés à être mis à disposition du public. Cette initiative a recueilli un grand succès qu'il paraît impératif donc d'amplifier. Donc, nous sommes très favorables à ce projet pour un montant de 20 000 €. Alors, excusez-moi, je me permets de vous couper. Oui, 20 000 €, c'est uniquement les instruments. Et si on rajoute la malle, qui pourrait du coup rester dans la médiathèque. La malle. La malle avec des instruments qui pourraient être utilisés. Ah, la malle. Une malle, avec des petits instruments. Oui. Alors, oui, et combien ça coûte cette malle? Parce que vous êtes cher, vous, en général. Donc, je pose quand même la question. Alors, c'est une malle, c'est pas une malle Vuitton, hein. Ce serait 50 000 €. Oui, bah si, c'est Vuitton pour 50 000 €. Vuitton, c'est moins cher que ça. C'est Hermès. On peut faire entre les deux. C'est une malle, pourquoi une malle Hermès? Parce que... Non, mais une malle pour 50 000 €. Avec des instruments dedans, bien sûr. Ah oui, bon, on est pas précisé, quand même. Voilà. Il y a des Stradivarius, un truc comme ça, non, c'est pas... Non, même pas, je crois pas, non. Bon. Surprise. Non, 40 000 €, c'est bien. 40 000, oui, on transige à 40 000. C'est bien 40 000. Thierry, 40 000. 40 000, tout le monde est d'accord. 38 500. Non, c'est... Bon, 40 000. Alors. Alors, je propose que ces trois projets, 1556, 1296, 1378, soient regroupés sous l'intitulé Musique et mobilier pour la médiathèque Marguerite Yourcenar pour un montant global de 135 000. Alors, actualisé, si j'ai bien compris. 135 000 plus 40 000. 135 000 plus... Non, plus 40 000, oui, c'est ça. Alors, s'agissant des projets 1817 et 1530, je propose de les fusionner sous l'intitulé « Embellir le quartier Barque-Falguière », car ils concernent tous les deux ce quartier pour un montant de 800 000 €, avec un avis favorable. Et demain, nous rencontrons d'ailleurs le SGR, M. Botteguy est là-dessus. Donc, voilà, c'est un grand projet pour le 15e et pour ce quartier. Merci. Le projet 1162 porte sur des distributeurs d'histoires courtes dans le 15e, des haïkus en japonais. Alors. La DAC, ah, y est défavorable pour des raisons d'entretien. Je ne sais pas, quand on achète une malle Hermès à 40 000 €, on peut quand même faire un effort sur... Les... Alors, c'est quoi ces distributeurs d'histoires courtes? Ça ne vous plaît pas du tout, ce truc-là? Non, c'est un peu... Vous pouvez parler dans le micro, si vous avez quelque chose à dire. Hein. Oui, bien sûr. On peut... Oui, avis défavorable pour des coûts de fonctionnement, en fait. Qui mettrait ces histoires? Qui mettrait le papier, les consommables, etc. Coûts de fonctionnement, OK. Ouais. Donc, avis défavorable pour le 1162. Si vous avez des choses à dire, hein, vous intervenez. Projet 1674 porte sur une fresque géante sur la tour de chauffage de la CPCU à Beaugrenelle. Nous y sommes défavorables, ne serait-ce que parce que ce mur ne nous appartient pas, quand même. Ça n'appartient pas au patrimoine municipal. C'est comme une raison valable. Le projet 1374 porte sur l'aménagement d'un lieu culturel 106 Brancion pour un montant de 200 000 €. Alors ça, c'est un avis favorable, notamment du maire du 15e,
parce que ça fait environ 10 ans, voire plus, enfin depuis mon premier mandat, depuis le premier jour, la première heure, la première seconde de mon mandat, que j'essaie de récupérer ce bâtiment qui était le siège social des abattoirs de Vaugirard, qui est, vous voyez, à l'entrée, c'est l'entrée de Sylvia Montfort, en fait, hein, et qui est utilisé de façon inadmissible, scandaleuse, par les ateliers du STEG. Alors, je ne parle pas du travail du STEG, qui est aussi inadmissible, ça, c'est un autre sujet que je réglerai ailleurs, mais que ce magnifique bâtiment soit utilisé pour des ateliers de réparation de chaudières, et aussi à moitié pour le garage des véhicules privés des deux ou trois cadres responsables de cet établissement, me paraît quand même inapproprié. Ça fait juste 10 ans que j'essaye de récupérer ça. Et là, maintenant, il faut avancer absolument. D'ailleurs, j'en ai parlé à la maire de Paris, qui est tout à fait favorable, bien sûr. Sauf qu'il faut trouver des locaux pour le STEG. Mais enfin, ça fait 10 ans qu'on en cherche. On faisait un petit effort. Je pense qu'on pourrait y arriver. Et je pense qu'il faut maintenant avancer là-dessus. Ce qui ferait un lieu de culture, en fait, pour ce quartier, qui est un quartier vraiment très populaire. Et où il y a beaucoup de lieux de culture épars, comme le théâtre Sylvia Montfort, comme la Ruche, comme le théâtre Paris Plaine, comme la médiathèque Ursaar, etc. Ça pourrait être une espèce de lieu central avec des salles de répétition, de spectacles, d'expositions, etc. Voilà. Donc, je le dis, ça, c'est un projet emblématique. Alors, il ne s'agit pas d'en faire le 104 Aubervilliers. Nous n'avons pas cette prétention, nous, modestes 15e arrondissement. Et puis surtout, on n'a pas les centaines de millions d'euros pour l'entretenir et pour le réaliser. Mais voilà, 200 000 euros, ça paraît... maintenant, il faut que... D'autant plus qu'une solution pourrait se dégager déjà sur l'occupation d'une partie. Par exemple, une partie du bâtiment ne sert qu'à stationner les véhicules privés des personnels. Je ne sais pas si ça correspond tout à fait à la politique de la ville, de Paris, quoi, vous voyez. Donc ça peut être récupéré, oui. Voilà. Pour la DAC, c'est terminé. Donc, c'est tout. Vous n'avez pas d'autre chose à ajouter ? Si, Madame Roy. Oui, je voudrais revenir sur le 106 Rebranchement, parce que c'est effectivement pas la première fois qu'on a ce débat. On l'avait déjà eu, je crois, dans une commission du budget participatif, peut-être en 2015. Simplement pour dire pourquoi il y a quand même un avis défavorable, expliquer. D'abord, je pense qu'il n'y a pas d'opposition de principe hein, à en faire un lieu culturel. Bien entendu, dès qu'on peut faire des lieux culturels à Paris, on va y être favorable. Après, ce qui est expliqué, je pense que la DAC pourra y revenir si nécessaire, c'est qu'effectivement, pour l'instant, il y a des services de la ville de Paris qui occupent ces locaux, donc... Le préalable, c'est de pouvoir reloger ces services. C'est déjà un préalable qui est quand même important. Et le deuxième, c'est qu'après, qui dit mise en place d'un établissement culturel, dit forcément des coûts d'exploitation, des coûts de fonctionnement. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on a à regarder. Et tous les cas, si c'est dans le sous la responsabilité de la mairie de Paris, ça paraît compliqué aujourd'hui d'avoir un budget, en tous les cas, de fonctionnement. Donc voilà, encore une fois, je rappelle pas d'opposition de principe, mais quand même des préalables qui nous paraissent judicieux d'étudier. Le fait que je donne un avis favorable, c'est dû au fait que je connais les arguments techniques. D'ailleurs, je ne les conteste pas, évidemment, puisque... ça fait 10 ans qu'à chaque fois qu'on évoque ce projet, ces arguments sont donnés. Sauf que ça n'avance pas d'un iota, malgré l'accord de tout le monde. On a parlé plusieurs reprises avec la maire de Paris elle-même, d'ailleurs, qui est évidemment tout à fait favorable. Ce sont les services techniques qui ne bougent pas. Voilà. Le STEG ne veut pas bouger, il est bien installé là dans son confort, et au détriment des habitants et de tout ce que pourrait produire cet espace... en matière culturelle, dans un arrondissement, près du périph', au milieu d'un quartier très populaire, à destination des habitants qui, sûrement, en ont le plus besoin. Donc, moi, si je propose cet avis favorable, c'est pour créer un peu un choc, vous voyez. Je sais bien que la réalisation sera très compliquée, mais
lorsque j'ai visité cet établissement il n'y a pas loin de 10 ans avec le directeur du patrimoine et de l'architecture de l'époque, Monsieur Montou, que peut-être certains, Montou que certains ont connu ici, alors il est peut-être à la retraite depuis d'ailleurs, eh bien, voilà, il m'avait dit, voilà, on va chercher aussitôt des locaux, des entrepôts pour desserrer cet établissement. À l'époque, d'ailleurs, j'en avais parlé au maire de Paris, Bertrand Delanoë, qui trouvait l'idée formidable et qui est tout à fait d'accord. Il dit, mais oui, on va trouver des locaux, etc. Sauf que c'était il y a 10 ans. Donc, je sais bien la difficulté de l'exercice. Je ne suis pas persuadé que cette pomme soit dépensée. Mais je pense que ça peut créer, s'il y a un vote des habitants là-dessus, ça sera voté d'ailleurs, permettre de montrer qu'il y a une véritable, je ne dis pas un enthousiasme, au moins un peu fort, mais enfin en tout cas un souhait des habitants du secteur. Voilà. Juste, si c'est soumis au vote des habitants, moi je tiens juste à une chose, c'est que quand on soumet un vote, enfin un projet à un vote, ça veut dire que quelque part, il y a un engagement de faisabilité. Sinon, ça serait vraiment très décevant pour les habitants auxquels on soumet ce projet. Donc c'est juste pour insister sur cet aspect faisabilité, parce qu'à partir du moment où on va soumettre au vote des habitants, voilà, il y a un engagement derrière que quand même ça soit réalisé. Oui. Non mais je pense qu'on peut être d'accord là-dessus quand même. Donc ben, c'est juste une petite alerte pour dire attention, après à pas avoir un effet déceptif, si jamais d'ailleurs il était retenu. Et encore une fois, je rappelle qu'il n'y a pas d'opposition de principe, en tout cas de notre part là-dessus, sur évidemment un établissement culturel pour le 15e. Oui, alors je dirais deux choses. Premièrement, il y a beaucoup de projets, la responsabilité n'en incombe à personne en particulier, mais beaucoup de projets qui sont votés et qui, plusieurs années plus tard, ne voient pas le jour. Et ça, c'est vraiment un sujet difficile pour les jeux participatifs. D'ailleurs, je m'en suis ouvert auprès de Madame Hidalgo aussi en disant, parce que moi, je suis, comme vous le savez, très favorable au budget participatif, mais il y a des impératifs techniques, plus techniques que budgétaires, d'ailleurs, qui font que, parfois, des projets sont votés, 3 ans après, ils ne sont pas réalisés parce que les services techniques n'ont pas eu le temps, n'ont pas pu, etc. Donc, ce ne sera pas une première. Deuxièmement, je me souviens d'un avis qui n'était pas favorable pour la gare de Vaugirard, que nous allons transformer, puisque le projet a été voté en espace de coworking. Au départ, c'était un avis défavorable aussi, et pourtant, ça se fait, et ça va permettre à des dizaines d'entreprises de s'installer dans cet espace. Donc oui, bien sûr, je ne peux pas nier ce que vous dites, mais je pense qu'il faut... C'est un peu pour prouver le mouvement en marchant, même si nous ne sommes pas tout à fait dans la norme. Madame ? Oui, juste pour compléter. Alors, déjà, un chiffre, c'est 3% des projets votés qui ont été abandonnés à ce stade. C'est essentiellement des projets qui avaient lieu, c'était des fresques ou des murs végétalisés qui avaient lieu sur des murs privés et on n'a pas réussi à avoir l'accord des copropriétaires pour réaliser les projets, d'où le fait que maintenant ces projets soient plus recevables. Mais donc en dehors de ces cas spécifiques des murs pour lesquels il nous fallait l'accord, c'est finalement un taux vraiment faible de projets qui ont été votés et qui, in fine, sont abandonnés. Alors, il y en a qui traînent un peu, voilà. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais des projets qui, in fine, ne sont pas faisables, c'est voilà, 3%, dont essentiellement des fresques et des murs végétalisés sur des murs privés, que du coup, on met plus au vote. Du coup, à la ville, la règle, c'est que c'est les services qui sont garants de la faisabilité des projets. Il y a donc une première étude technique des services qui est là. Il est vrai que parfois, il y a une demande de repêchage des mairies d'arrondissement, auquel cas, c'est le secrétariat général qui regarde si effectivement, ça ne peut pas être faisable ou pas. Donc là, effectivement, on transmettra cette demande au secrétariat général. Et c'est vrai que dans le cas de Vaugirard, par exemple, vous l'aviez rattrapé le projet et que c'était faisable. Il y a des fois où on sait quand même que ça ne va pas l'être. Donc là, on transmet la demande et on verra quelle est la réponse. Voilà. Merci. Donc, nous avons terminé donc, sur les projets DAC. Merci à vous. Et maintenant, nous passons à la DAE, Direction de l'attractivité et de l'emploi, avec 13 projets. La DAE est là. Bon. Donc ça, c'est à souligner quand même, parce que si les directions ne sont pas là, c'est quand même un sujet. Surtout avec 13 projets, quand même. Le 489 portant sur la création d'une nouvelle halle alimentaire. Ce projet s'ajoute à celui qui a été voté en 2017. Alors là, ce serait un avis favorable, parce que le porteur du projet a trouvé un local
et souhaite la halle, orienter la halle vers les étudiants. Donc 200 000 euros. Projet 489, avis favorable. Je propose maintenant de regrouper 6 projets. Le projet DAE 735 porte sur la création d'un mini-golf dans les parcs et squares du 15e. La DAE et la DEV excluent. La DEV est là au moins. Pardon, excusez-moi, oui, exclut qu'un tel projet puisse être mis en œuvre dans un site autre que Suzanne Lenglène. Le projet DAE 1158 porte, lui, sur la création d'un parcours accrobranche à Suzanne Lenglène. Je suggère de les regrouper avec les projets DGS 889, 893 et 1528 et le projet DEV 894 R2 Jeux au parc Suzanne Lenglène, que nous instruirons un peu plus loin sous le nom collectif Sport et Loisirs au parc Suzanne Lenglène pour un montant global de 725 000 euros avec un avis favorable. La DEV, ça va. Projet 1476 porte sur la création d'un Fab Lab à l'ENSAMA avec la mise à disposition de machines-outils et de matériel numérique. Favorable, avis favorable, pour un montant de 100 000 euros, comme demandé par le porteur de projet. La réserve émise par les services me paraît être levée, car nous sommes entrés en contact avec l'administration de l'école qui nous a assuré pouvoir assumer le fonctionnement des machines et ouvrir également cet espace aux habitants du quartier. Le projet 1479 porte sur l'équipement de l'intérieur de l'espace de coworking de la gare de Vaugirard. On parle d'un instant. Nous sommes favorables à ce projet, mais nous préférons attendre la livraison du site en espérant que le porteur redéposera le projet début 2019. Bon, en rapport avec lui, donc avec un avis défavorable. Le projet 1493 porte sur une cuisine collective rue des Quatre Frères Peignot. Les services ont jugé inutile de maintenir ce projet au motif qu'un projet similaire a été lauréé en 2017 à l'échelon parisien. Analyse que je partage, avis défavorable. Le projet 1547 porte sur l'installation d'un manège à l'ancienne place du commerce. J'émets des réserves, les services aussi émettent des réserves à ce projet, car la place est déjà très occupée et de nombreuses incertitudes subsistent sur la faisabilité de ce projet. En revanche, je viens d'être saisi, même si on n'a pas eu le temps de porter, puis ce n'est pas une demande du projet participatif, d'un projet de manège sur le parc Citroën. Alors, rappelez-vous qu'un manège avait été installé sur le parc Citroën, à tort dans le Jardin Blanc d'ailleurs. Malgré nos réserves, la mairie de Paris avait souhaité qu'il soit installé dans le Jardin Blanc, moyennant quoi il a été vandalisé et incendié par des bandes. Cela étant, j'ai été destinataire, peut-être les services aussi, je ne sais pas, d'un nouveau projet, d'un autre opérateur. Je pense que ça mériterait en tout cas de faire l'objet d'une étude, parce que c'est vrai qu'un manège dans le parc Citroën, c'est quelque chose qui, je pense, pourrait satisfaire beaucoup de familles. Donc, mais enfin, c'est un autre projet. Et celui-ci, aucun avis défavorable. Monsieur le maire ? Oui, Monsieur Stellandre. Oui, bonjour, je suis le vice-président du conseil de quartier Violet Commerce. Je voudrais parler du projet, effectivement, de manège au square du commerce, qui est soutenu par une partie des commerçants de la rue du commerce, qui souhaitent redynamiser un petit peu cette rue. Et effectivement, ils ont déposé depuis plusieurs années un projet de manège, soit à l'intérieur du square, soit malheureusement à l'époque, à l'emplacement du kiosque Lulu. Du kiosque, adieu. Voilà, il avait demandé ça avant que ce soit installé, donc bon, il se trouve que maintenant, ça n'est plus possible, mais il y a toujours un projet qui a été étudié, qui serait potentiellement réalisable dans le square du commerce. Oui, mais alors, bon, on va passer la parole à la DEV, hein, là-dessus. Moi, les services techniques, bien sûr, je connais ce projet, les commerçants m'en ont parlé, voire des familles, mais il a été étudié par les services, comme tout projet de budget participatif, et la réponse des services techniques, la réponse technique, c'est que il n'y a pas de faisabilité pour l'emplacement d'un manège ni dans le square ni sur la placette. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Alors, il y a plusieurs prises de parole. Madame Jovinchik, oui, qui est adjointe au maire du quartier. Je rejoins ce que vous dites, monsieur le maire. Effectivement, on a envoyé un projet à la DEV et ça ne passe pas ni à l'intérieur du square ni à l'extérieur du square. Techniquement, ce n'est pas possible. Enfin, maintenant, je vous laisse la parole. Oui, ben, alors, le directeur des parcs et jardins, ça marche. Hein.
C'est bon, ça marche, hein? Si vous rapprochez et parlez un peu plus fort. Ouais. Donc, effectivement, il n'y a pas de possibilité d'implantation d'un manège tel qu'il a été proposé, tel que le projet nous est parvenu. Donc voilà, au moins dans le square. Après, sur la placette, je pense que c'est plus la voirie va nous répondre aussi peut-être là-dessus. Oui, parce que il y avait ces deux possibilités. Hein. Et vraiment, on a tout essayé parce que bon, c'était un projet sympathique. Hein. Surtout à cet endroit-là, c'est la configuration, l'ambiance s'y prêtait. Mais bon, on a une réponse négative de la DEV et de la voirie aussi. Oui, ben, on verra d'autres projets où on trouve que les places sont encombrées. On est vraiment dans une logique de désencombrement et de circulation ben, pour les PMR notamment. Donc on trouve que ça ne se prête pas à l'implantation du manège, effectivement. Quand on connaît la place du commerce, elle est quand même restreinte, hein. Je ne sais même pas si en enlevant les kiosques à jour, le kiosque à journaux et les kiosques Lulu, je ne sais même pas s'il y a la place, parce qu'un manège, c'est volumineux. Mais enfin bon, il faudra en reparler avec les commerçants, leur dire que bon, le sujet a été étudié, mais que... Non, mais le sujet a été plus qu'étudié, parce qu'on a échangé avec les commerçants, on a fait un devis, une présentation à la DEV, et ça passait pas à cause des arbres, des bancs à l'intérieur. À l'extérieur, ça passait pas à cause du kiosque Lulu et du kiosque à journaux. Donc on a vraiment tout essayé le plus petit possible. Oui, bien sûr, ils le savent. On a fait des études et on a eu des réponses négatives, parce qu'il n'y en a pas assez de place, en fait. Mais c'est vrai que c'est un beau projet. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de place. Même si on n'est pas dans le même quartier, si ça ne concerne pas le budget participatif, la réimplantation d'un manège dans le secteur du parc Citroën, à un endroit ou à un autre, ça me paraît intéressant de le... Voilà. Alors, ensuite, je propose à nouveau un regroupement de deux projets DAE, en l'absence Excusez-moi, de la direction. Juste une petite intervention, donc là c'était la DEV et je suis DGS pour tout ce qui est... La DGS, oui. Oui. Direction Jeunesse et Sport, à propos du mini-golf sur le parc Suzanne Lenglen, peut-être un projet où peut-être qu'on peut faire quelque chose de similaire ou de différent, parce que ça me semble beaucoup un grand emplacement pour quelque chose de ludique. Alors que le centre sportif Suzanne Lenglen est tel qu'on l'a fait ensemble, aujourd'hui on a des appareils qui sont voués à tout ce qui va être musculation, choses comme ça, parcours sportif, santé. Alors je suis OK pour le parcours ludique, accrobranche. Peut-être que sur le mini-golf ou sur l'emprise au sol, on peut peut-être au moins donner la possibilité de réflexion, voir ce qui peut être adaptable. Voilà. Oui. Je rappelle aussi que nous avons de grands projets pour le parc Suzanne Lenglen. Avec la maire de Paris, nous sommes d'accord pour que, à partir de 2024, si, comme c'est prévu, la concession de l'héliport Aéroport de Paris expire, ces 6 hectares d'héliport soient rendus à la ville, et notamment pour reconfigurer totalement un ensemble Suzanne Lenglen héliport dans un nouvel aménagement de parc et de centre sportif, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc là il y a quand même une idée que je soutiens à fond, et la maire de Paris aussi, donc on aura besoin d'en parler. Même si c'est quand même à moyen, voire long terme, mais il faut envisager ça aussi. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que l'idée du mini-golf, peut-être un terrain de volet extérieur, enfin ce que vous voulez, mais après peut-être que le mini-golf reste plus, entre guillemets, ludique, et peut-être plus quelque chose d'approprié au sport et qui va se diriger vers 2024. C'était un petit peu l'idée. Alors, bon, ben, je ne sais pas, Madame Claire de Clermont-Tonnerre. Non, personne ne veut te donner le micro. Non, moi je trouve que ça serait vraiment dommage de le retirer de l'ensemble des projets présentés. Moi je soutiens ce projet, c'est demandé depuis très longtemps d'avoir un mini-golf dans le 15e arrondissement. J'ai bien conscience qu'il est difficile de l'implanter dans les jardins traditionnels, si je peux dire, mais à Lenglen on a l'opportunité de le faire, hein. Et je trouve que c'est un beau projet, c'est un projet intergénérationnel en plus, puisque les 3 générations peuvent participer à cette activité. Et donc, je souhaiterais qu'il soit maintenu dans le gros regroupement des 7 projets qui a été présenté par le maire tout à l'heure. Et bien voilà.
Alors, juste pour, c'est vrai que c'était un projet générationnel. Par contre, c'est quelque chose qui sera peut-être plus ludique et utilisé peut-être plus le week-end, entre guillemets, sur le centre sportif Suzanne Lenglen. Si on se dirige vers 2024, il y a peut-être, alors peut-être un practice de golf, dans ce cas-là, si vous préférez, avec un filet, peut-être qui va se diriger. C'était juste pour vous dire qu'on peut peut-être réfléchir sur l'emplacement, parce qu'un mini-golf, ça reprend quand même un emplacement assez important. Alors, c'est vrai qu'il y a de la place. Mais la place, ça va vite. Donc, pourquoi pas le golf, oui, mais peut-être plus un practice ou quelque chose comme ça. Voilà. Oui, puis c'est pas du tout la même fonction, un practice et le mini-golf. C'est moins ludique et il faut vraiment jouer au golf pour. S'il vous plaît, quand vous voulez la parole, vous la demandez, parce que je ne sais pas qui parle hein, au micro. Bon, ben on le maintient. Voilà. Donc, je reprends. Je propose à nouveau un regroupement des deux projets DAE et d'un projet DS95 dont l'intitulé est « Des tiers-lieux digitaux innovants » pour un montant global de 400 000 euros. Avec le projet 1589 qui porte sur la création d'espaces d'apprentissage du codage. Vous connaissez donc la compétence qu'on a ici pour l'innovation et le codage informatique. D'ailleurs, nous accueillerons, j'en profite pour le signaler, dans quelques semaines ici même plusieurs centaines de jeunes en mairie pour les former pendant 3 semaines au codage et à la programmation robotique. Alors ce projet 1589 est tout à fait utile. L'argument avancé par les services consistant à dire que le dispositif Paris-Code existe déjà n'est absolument pas recevable. En effet, plusieurs associations de l'arrondissement ont candidaté, se sont vues exclure de ce dispositif au motif qu'elles ne disposeraient pas de l'agrément organisme de formation. Donc nous maintenons ce projet, ne serait-ce que pour elles. Puisque s'il est voté, il contribuera vraiment à lutter contre le décrochage scolaire des enfants des quartiers sensibles du 15e. Donc c'est un avis favorable pour 100 000 euros. Le second projet, 2069, porte quant à lui sur la création d'un tiers-lieu. La DEI est favorable, comme moi. Nous sommes assez en pointe sur ce dossier, ce qui nous permet de rattraper le retard sur des arrondissements qui sont déjà bien pourvus, même beaucoup mieux pourvus. Et puis bon, je ne doute pas que si le projet est adopté, nous trouverions rapidement un lieu dans lequel installer cet espace multi-usage, donc pour 200 000 euros. Le troisième projet d'AZEST 1995 porte sur l'équipement en matériel informatique d'associations de quartier pour un montant de 100 000 euros. Évidemment, avis favorable. Le projet 830 porte sur des boîtes à livres. J'espère qu'elles seront moins chères que les boîtes à musique de la DAC. Elles aiment mal. Ce projet a été mis en œuvre sans aucune difficulté dans mes arrondissements et également dans de nombreuses villes de province, mais recueille paradoxalement un avis défavorable de la DAE. Alors, vous allez nous en dire un mot. En l'absence de la DAE, je vais me faire son avocat. La DAE n'est pas contre les boîtes à livres, bien au contraire. Par contre, remarque que quand il n'y a pas un fort portage local, c'est des projets qui ne marchent pas, parce qu'en fait, il y a besoin de fonctionnement et il y a besoin d'entretenir ces boîtes à livres, plus que d'acheter le matériel. L'investissement est finalement assez faible. Mais du coup, s'il y a un fort portage local et qu'il y a des associations localement qui s'engagent à prendre en charge ces boîtes à livres, il n'y a pas de problème pour les mettre au vote. Bon, nous qui sommes très favorables au développement de la lecture, il y a des associations d'ailleurs aussi qui sont présentes ici et qui y contribuent, nous donnons un avis défavorable parce que nous allons financer ces boîtes sur notre état spécial d'arrondissement pour 10 000 euros. Voilà. Le projet 1834 est similaire au précédent et recueille le même avis des services centraux. Eh bien, puisque voilà, vous avez donné la position des services centraux, et que le montant est assez faible, 20 000 euros, nous le financerons sur l'état spécial d'arrondissement, le projet 1834 comme le projet 830. Le projet, donc avis défavorable, le projet 1278 porte sur la création d'un incubateur jeune pour 100 000 euros. Ce projet entre tout à fait en phase avec notre volonté d'accueillir de plus en plus d'étudiants dans le 15e. D'ailleurs, qu'on le souhaite ou pas, ils arrivent puisque... depuis cette année, d'ailleurs, le 15e est devenu le deuxième arrondissement étudiant à Paris après le quartier latin, avec 30 000 étudiants. On a doublé le nombre d'étudiants en 2-3 ans et on atteindra 40 000 étudiants dans 2 ans, notamment avec la fusion de Paris 5 et Paris 7, avec 3 500 étudiants supplémentaires qui en feront l'université médicale et scientifique la plus importante d'Europe, qui sera classée au classement de Shanghai.
Alors, Paris, fusion Paris 5 possède Campus Eiffel avec ses 10 000 étudiants, etc. Donc, ça se développe beaucoup. D'ailleurs, j'ai reçu ici même les 45 responsables d'établissements d'enseignement supérieur du 15e. Et il y a beaucoup, beaucoup à faire pour les aider, notamment en résidence étudiante et autres, même si ce sont d'autres sujets. Donc, incubateur jeune, 100 000 euros, avis favorable. Le projet 1320 porte sur la vitrine de l'innovation portée par le CE, qui est une école d'ingénieurs hein, du campus Eiffel, c'était l'ancienne école centrale d'électronique, pour toujours le nom. Plusieurs lieux d'implantation sont actuellement à l'étude dans le quartier Beaugrenelle. Le porteur confirmera son choix à l'issue du vote. Nous sommes donc favorables, mais pour un montant de 100 000 euros. Voilà pour les projets DAE, direction que je ne remercie pas, puisqu'elle n'est pas présente, et je le souligne lourdement. Donc, il faudra faire savoir quand même. Hein. Je compte sur l'adjointe, Madame Véron, pour rappeler à ses aux directions de la ville que c'est quand même mieux quand elles sont là, et à mon cabinet aussi, pour... Ben oui, d'accord, enfin, il est malade, il n'est pas tout seul non plus, hein, la DRE. Donc, c'est comme ça. Donc, nous retiendrons quand même ces 5 projets, enfin, à peu près des... Maintenant, la DASCO, qui est présente... en face de moi, représentée par Mme Jeannin, que je salue, 4 projets. Alors, je propose le regroupement de 2 projets novateurs, dont l'intitulé est « Des écoles digitales et innovantes », pour un montant global de 450 000 euros, avec tout d'abord le projet 1551. Alors, nous avons pu, grâce au budget participatif, et ça c'est une première à Paris, équiper toutes nos écoles, les 60 écoles publiques, de tableaux numériques interactifs, d'ailleurs, pour la plus grande satisfaction des élèves et des professeurs, à tel point qu'ils en demandent d'autres. Hein. Ben voilà, c'est ça le revers de la médaille. Donc l'idée d'équiper de nouvelles classes est très intéressante. Je suggère de positionner 150 000 euros pour satisfaire les besoins. Le projet 1586, quant à lui, porte sur l'acquisition de robots humanoïdes dans les établissements scolaires du 15e, école, collège et lycée public. Alors bon, nous sommes pionniers hein, en matière d'équipement de la mairie du 15e, d'ailleurs, et des écoles en robots humanoïdes. D'ailleurs, nous avons une sorte de partenariat avec l'éducation nationale et le rectorat là-dessus. Le ministre de l'éducation nationale suit ça attentivement, d'ailleurs. 15e a pu le terre d'expérimentation pour l'utilisation des robots humanoïdes dans les classes. Et donc, il s'agit d'en acquérir davantage. Avis favorable. Je vous propose également le regroupement des 2 projets suivants sous l'intitulé « Mon école plus belle » d'un montant global de 235 000 euros avec le projet 1914 qui porte sur la rénovation des jeux de cours et l'insonorisation de l'école Lacordaire, et le projet 1550 qui porte sur des nouveaux jeux de cours d'école pour un montant de 200 000 euros avec un avis favorable, parce que là on a vraiment des gros gros sujets sur les jeux. Je ne sais pas ce que les gosses font sur les jeux, mais enfin ils jouent d'ailleurs. Donc ils détruisent et ils jouent. Et ils utilisent beaucoup, évidemment, les jeux de cours, c'est très très important, c'est prioritaire et il faut absolument les rénover, les restaurer, etc. Donc un avis favorable. Pour la DASCO, nous retenons donc 2 projets. Pas d'observation, Madame Jeannin, à la parole. Non, effectivement, on a... Sur les jeux de cours, effectivement, on a un besoin important puisque actuellement, on a un budget qui nous permet d'acquérir à peu près 2 ou 3 jeux de cours. Et on a besoin on n'a pas les moyens de trop réparer tous ceux qui sont en mauvais état. Donc, c'est un vrai besoin. Donc, aussi bien les jeux de cours que les sols souples et les cabanes, qui est aussi un besoin qui apparaît de plus en plus pour pouvoir entreposer les vélos puisqu'on équipe... les écoles d'un côté, mais qu'ensuite, il faut effectivement trouver des abris. Donc voilà, ça correspond à un besoin qu'on partage à la circonscription. Alors, Madame Jeannin, vous m'avez convaincue et vous savez combien je suis attentif à vos propositions. Et c'est la raison pour laquelle, après vous avoir entendu, dans le montant global du budget participatif, hein, 6 millions, je propose de passer de 200 à 300 000 euros pour les jeux d'école. Voilà. Alors maintenant, la DASES. La DASES est-elle là? Pardon, excusez-moi. Merci. 7 projets. Le projet 1999 porte sur la création d'un espace de création numérique dans le quartier des Frères Voisins. Voilà un beau projet. Pour 38 000 euros. Avis favorable.
Oui, on n'a pas d'objection sur le principe et sur le contenu du projet, parce qu'a priori, c'est effectivement, c'est intéressant. On a juste revu le budget de la proposition à la baisse pour se focaliser sur le volet uniquement investissement, puisque c'est ça qui relève du budget participatif. Et donc, l'estimation est à 38 000. Mais sinon, nous, on n'a pas de difficulté. En plus, c'est genre un truc relativement simple à traiter. Oui, et puis c'est un quartier qui en a besoin. Merci. Le projet 974 pour 130 000 euros porte sur la création d'une maison de santé. Oui, ça, c'est très important, frère voisin. Le local identifié est malheureusement trop petit pour accueillir une maison de santé, puisqu'il faut quand même entre 180 et 220 mètres carrés. Par ailleurs, le projet précédent 1999 d'espace de création numérique a reçu un accord et le local envisagé conviendrait à cet usage. Compte tenu des besoins sanitaires, on retient néanmoins ce projet 974 et nous demandons, s'il est voté, que Paris Habitat entreprenne les démarches pour transformer un logement vacant des frères voisins en maison de santé, absolument indispensable dans le secteur, de secteur 1 bien sûr, procédure exceptionnelle évidemment qui doit être validée par la mairie centrale mais qui paraît tout à fait légitime. Nous donnons un avis favorable. Le projet 458 sur la création d'une maison des plus petits. Les enfants entre 0 et 6 ans ayant des problèmes de santé. Alors, si l'idée est intéressante, sa mise en œuvre soulève une multitude de problèmes administratifs que ni l'ARS ni la DASES ne sont à ce jour en capacité d'instruire. Par ailleurs, évidemment, une telle structure justifierait des dépenses de fonctionnement importantes. C'est la raison pour laquelle les services posent un avis défavorable. Alors, nous, au départ, parlez plus près des... Oui, on a eu quelques difficultés à effectivement faire l'instruction du projet. Moi, mes collègues de la sous-direction de la à l'enfance, on pas d'objection, notamment par rapport à leur relation avec l'association qui est concernée. Par contre, effectivement, il y a un problème de compétence qui n'est pas forcément réglé. Et puis, il manque de précision dans le projet. C'est-à-dire que le projet, on n'a pas assez de détails pour pouvoir dire si c'est faisable en tant que tel. Donc, soit effectivement, on maintient, mais dans ce cas, il faut repréciser et reformuler le projet. Soit, effectivement, il faut peut-être qu'il retravaille pour une itération suivante. Oui, je pense qu'on peut proposer à l'association de retravailler son projet en liaison avec vous pour qu'on essaye de finaliser quelque chose qui soit rationnel. Parce qu'encore une fois, l'interlocuteur est identifié comme étant relativement solide. Donc, c'est pas... Et en fait, nous, à notre niveau d'ASES pur, c'est vraiment pour qu'on veut aussi être une certitude que les enfants qui sont gérés par l'ASE soient inclus dans le périmètre, parce que c'est pas que ce public-là qui est visé, parce qu'il y a aussi la notion de polyhandicap qui est traitée. Bon, d'accord. Avis défavorable, alors où j'en suis, moi. Alors, le projet 486 de création d'une maison de santé encore dans des quartiers en déficit de médecins secteur 1. Alors moi, c'est tout à fait pertinent. D'ailleurs, nous en sommes, je crois, à notre quatrième projet de maison de santé pour empêcher que le 15e se transforme en désert médical, comme nous l'avait prédit malheureusement l'ARS voilà quelques années dans le cadre d'un SICA qui était dédié à la politique de santé dans le 15e et qui a été confirmé par le comité local de santé du 15e. Donc il faut absolument réimplanter des médecins dans l'arrondissement, c'est là, et puis aussi décharger les urgences d'une certaine façon. Je viens d'entreprendre d'ailleurs des négociations avec la brigade des sapeurs-pompiers pour que des malades ou des personnes soient orientées vers ces maisons de santé, déchargeant ainsi les urgences et les interventions de la brigade. Voilà, donc on peut vraiment créer un maillage dans le 15e pour des personnes atteintes d'une maladie ou qui pourraient se soigner à un coût modéré. Moi j'irai même plus loin en proposant d'amender l'enveloppe initiale proposée par la DASES, qui est de 130 000 euros, et d'y inscrire 500 000 euros, ce qui nous permettra, si le projet est voté, d'ouvrir deux ou trois maisons de santé dans les quartiers déficitaires. Et franchement, je reçois même aujourd'hui des propositions de médecins de secteur 1 qui veulent s'implanter et qui demandent des locaux, etc. Alors, il faut voir éventuellement qu'on est sur, nous, sur le montant de 130 000 qu'on indique, c'est le montant qu'on fait en subvention habituellement dans le cadre du dispositif par email et de maisons de santé. Donc, il faut s'assurer qu'il y a quand même une égalité de traitement entre les personnes qui passent par le budget participatif ou par le système qui est déjà en place de subvention. C'est une question de... Dans ce cas-là, c'est qu'il y a plusieurs structures qui soient prévues dans ce cas-là pour 500 000. On essaie de faire feu de tout bois, hein, mais les précédentes structures financées par les jeux participatifs, c'est 250 000 euros par maison de santé.
Là, c'est par, là c'est, c'était dans, par rapport à une comparaison, par rapport à une subvention périmètre de mémoire, et là, c'est 130 000, c'est pour une MSP, ce n'est pas tout à fait les mêmes critères. C'est pour ça. Mais après, c'est juste s'il y a plusieurs interlocuteurs, pourquoi pas, mais c'est-à-dire qu'une seule association qui se retrouve avec 500, c'est un petit peu bizarre. Mais on a une demande énorme hein, maintenant. Oui, dans ce cas-là, il faudrait qu'on ait quand même plusieurs acteurs et que ça porte effectivement sur plusieurs bien structures. Voilà. Sinon, après, parce que 500 pour une seule structure, là, pour le coup, il y aura ah, non, non, une égalité de traitement sur les c'est autres. C'est pas structures. Pour une structure. Hein. Okay. Non, j'ai dit pour plusieurs structures. Le projet 488 porte sur un projet très intéressant de maison des naissances, mais dont le modèle économique paraît fragile, car il justifierait plus de 200 000 euros de crédit de fonctionnement. En revanche, il voit que la DASES renforce l'activité pédiatrique des maisons de santé que nous avons déjà ouvertes, 3 en 2 ans, et celles qui, peut-être, pourront ouvrir dans l'avenir. Donc, un avis défavorable là-dessus, comme vous le préconisiez. Le projet 1546 porte sur l'achat de minibus pour les EHPAD. La DASES a donné un avis défavorable, que je ne partage pas du tout. Nous mesurons avec mes collègues la grande solitude des seniors. Et leur offrir l'opportunité de sortir, de rester en contact, semble indispensable. Ces minibus seraient conduits par des personnels d'ailleurs déjà présents. Les coûts de fonctionnement sont donc extrêmement minimes, carburant et assurance, pourraient sans problème être absorbés. Donc nous avons un avis favorable pour un montant de 80 000 euros qui nous permettrait d'acquérir 2 ou 3 minibus au service des EHPAD. Voilà, merci. Le projet 1995, regroupé avec 2 projets DE 1589 et 2069 intitulés tiers lieux digitaux innovants pour un montant de 400 000 euros, porte sur l'équipement matériel informatique d'associations de quartiers. Pour le part, je suis favorable à ce projet qui entre en résonance avec ceux que nous avons évoqués il y a quelques instants. Là, il y a beaucoup de projets numériques. Donc, je propose l'inscription pour ce projet 1995 d'un montant de 100 000 euros. S'agissant maintenant, merci à la DASES, de la DDCT, 5 projets. La DDCT est là. C'est vous. Oui, vous faites tout, vous êtes multicarte. C'est bien, mais c'est... 5 projets. 2 projets similaires, le 633 et le 773, sont à fusionner sous l'intitulé « La mairie du 15e sous les feux ». C'est impressionnant, sous les feux de qui ? Pour un montant global de 150 000 euros, alors ils portent tous les deux sur la mise en lumière de la façade de la mairie, pourquoi pas, idée lumineuse, n'est-ce pas ? Voilà, à laquelle nous ne pouvons qu'adhérer, sûr. Alors, il faut dire que l'éclairage extérieur de la mairie date d'il y a une trentaine d'années, tombe en panne souvent. Évidemment, on n'est plus du tout aux normes environnementales, générant des dépenses d'énergie importantes, des déperditions, sans compter les pannes, ou parfois ça s'allume en plein jour, on se demande pourquoi. Donc, un avis favorable pour 150 000 euros. Le projet 1414 porte sur la mise en service d'un minibus électrique se déplaçant dans les quartiers pour y apporter de l'information et créer un lien, et créer du lien à destination principalement des seniors, des familles et des jeunes en difficulté. Les coûts de fonctionnement étant pris en charge par l'association porteuse, j'espère qu'elle est sérieuse, nous émettons un avis favorable pour ce projet à 55 000 euros. Le projet 1285, Madame Serac. Oui. Il me semblait que la ville avait un bus comme ça maintenant qu'elle met en... qui circule. Alors il y en a pour l'instant un ou deux qui est déjà en expérimentation et voilà, donc il pourrait aussi venir dans le 15e ou en créer un dans le 15e. C'est la DASES, je pense, qui... voilà. Vous l'avez... Non, vous n'avez pas d'informations à me donner parce que je les ai vus, ces bus, ils ont été présentés par la DASES. Oui, effectivement, mais là, il s'agit d'un projet associatif, donc déposé par Créateo Île-de-France, qui veulent, eux, leur propre bus pour faire leurs propres actions. Et donc, c'est aussi l'occasion de rappeler qu'on a eu pas mal de projets qui avaient eu un avis défavorable pour du matériel informatique, c'est parce qu'ils n'étaient pas déposés par des associations. Donc, on considère que quand le projet est déposé par une association, elle assumera le coût de fonctionnement, alors que quand il est déposé par un particulier, on ne sait pas ensuite qui va gérer le coût de fonctionnement. Donc, on a bien noté les demandes de repêchage d'accord. précédentes et le fait que vous ayez déjà identifié les associations. Là, il y a une association, elle souhaite un bus, donc a priori, c'est recevable et faisable. Donc, un avis favorable. Le projet 1285 porte sur l'implantation d'une armoire à dons
dans le kiosque citoyen, sauf que le kiosque citoyen va être retiré, compte tenu d'une fréquentation en déclin qui ne lui permettait plus d'assurer un rôle d'information utile au public. Et nous essayons de le reconvertir sur la petite ceinture ferroviaire, hein, coulée verte, d'après ce que m'a dit l'administration. Donc forcément un avis négatif au projet 1285 qui n'a plus lieu d'être, hélas, c'est défavorable. Le projet 2070 porte sur un projet co-construit de création d'un plateau de vidéo dans le centre de développement local Boulard Lefebvre, un projet à 70 000 euros, déjà déposé l'an dernier, auquel il avait manqué une voix pour être lauréat. Donc on le redépose, le CDL, un avis favorable. Trois projets, oui, Madame Roy. Micro pour Madame Roy. Oui, c'est juste une question, savoir pourquoi il y a marqué que ça doit faire l'objet d'une subvention. Et puis rappeler que comme sur le même lieu, il y a déjà pas mal de travaux qui vont être engagés, notamment parce qu'ils ont été retenus pour le budget participatif 2016 pour... le projet espace de travail public, il faudra bien veiller à ce que voilà, ça soit bien réalisable dans les mêmes locaux, c'est, tous ces projets en fait. Voilà. Alors, merci. Sur la demande de subvention, même réponse, c'est que c'est un projet, là c'est écrit atelier de co-construction parce qu'il y a eu un regroupement de plusieurs projets, mais c'est un projet qui était aussi déposé par une association et l'avis est faisable que parce qu'il est déposé par une association qui prendra en charge les coûts de fonctionnement. S'il n'y avait pas d'association, la ville ne pourrait pas prendre en charge les coûts de fonctionnement induits par ce projet. Sur la question de la localisation, là en revanche, je n'ai pas de réponse. Merci. Trois projets donc retenus au titre de la DDCT. La direction des espaces verts qui présente 22 projets. Donc on a la main verte dans le 15e et on est très écolo. Alors, comme nous l'avons vu lorsque nous avons étudié les projets DAC, dont le projet 680, le projet 243 porte sur l'installation de panneaux naturalistes sur l'île aux Cygnes, naturalistes. Nous y sommes favorables pour un budget de 1 800 euros. Le projet 287 porte quant à lui sur l'installation de 10 bancs. Il faut qu'ils soient en cuir aussi, non ? Je sais pas. Oui, c'est mille-cuir. Sur l'île aux Cygnes pour 9 600 euros. Ces trois projets sont regroupés sous l'intitulé... Ah, c'est ça, l'île de la tentation, d'accord. Pour un montant de 17 400 euros, avec un avis favorable. Le projet 305 porte sur le réaménagement de l'avenue Albert-Bartholomé, un projet déjà financé par la mairie du 15e, dont les travaux seront bientôt engagés, donc on a un avis favorable, puisqu'il est payé par la mairie du 15e. Le projet 958 porte sur la modernisation du théâtre de marionnettes du parc Georges Brassens, qui fait un travail assez extraordinaire. Je vous invite tous à y aller. Oui, Casidanus, monsieur Casidanus. D'ailleurs, il participait à la fête du quartier Brassens là ce week-end, pour le plus grand plaisir des enfants et de Claire de Clermont-Tonnerre. La DEV y est favorable, nous aussi, donc pour 250 000 euros. Le projet 1057 concerne des aires de jeu accessibles aux enfants en situation de handicap. Bien sûr, encore avis favorable pour un montant de 150 000 euros pour un nombre de sites que M. Béroir va nous préciser. Alors en fait, c'était surtout pour faire une grande aire de jeu entre 60 et 200 000 euros selon la capacité. Mais éventuellement, on peut ventiler sur plusieurs aires de jeu et avoir... à chaque fois, quelques jeux qui seraient en particulier accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc tout dépend en fait quelle orientation on donne à ce projet. Est-ce qu'on veut une grande aire de jeu ou est-ce qu'on préfère ventiler ? Peut-être qu'il faudrait un peu une somme supérieure et puis il va y avoir plusieurs sites. Ouais, bah oui. Donc on peut monter à 200 000 et ventiler. Les projets 1562 et 1090 concernent pour l'un des arbres flottants, en bordure de l'île aux Cygnes, et pour l'autre des radeaux végétalisés. Sur le plan du parc Georges Brassens, sur le plan d'eau du parc Georges Brassens. Alors évidemment, ces projets, comme vous pouvez l'imaginer, ont recueilli un avis négatif des services centraux. Vie que je partage, hein, c'est quand même.
parce que bon, il faut attendre d'abord que les expérimentations conduites, par exemple, sur Canal Saint-Martin s'avèrent pertinentes. On verra le retour d'expérience. Avis défavorable. Projet 1161 concerne le Clos Feuquières et la création d'un espace de respiration. Un projet dont le quartier aurait besoin à la lumière du projet exécutif parisien. Donc projet à 20 000 euros dans la liste de ceux qui seront soumis au vote au septembre prochain. Avis favorable. Projet 1274 porte sur un mur végétalisé sur le mur du collège Debussy. Alors il y a des réticences des services techniques. Personnellement, je suis plutôt favorable à ce projet qui a été proposé par la communauté scolaire d'un établissement qui a, je le rappelle, reçu le label éducation et développement durable. Donc moi, j'ai plutôt un avis favorable. Mais qu'en pense Monsieur Berroir? Alors, ce sont mes collègues des services centraux qui ont étudié la chose. Apparemment, il y a énormément de réseaux qui passent à proximité et qui devraient rendre très complexe la mise en place d'un mur végétalisé. Donc voilà, je pense que c'est un avis vraiment technique qui a rendu cet avis défavorable et non pas un refus du principe de végétaliser le mur. On avait le coût approximatif. Alors pour un mur végétalisé, il faut compter entre 30 000 et 50 000 euros. Qu'est-ce qu'on pense? Et ça génère, selon le type de mur qui est mis en place, ça peut générer pas mal de coûts de fonctionnement. Bon, donc on maintient l'avis défavorable des services. Bon, avis défavorable. Ou autre chose pour végétaliser le coin. Le projet 1428 porte sur un projet déposé en 2016 et à nouveau en 2017, à la cause de la Constance. Des travaux d'aménagement de l'aire de jeu au Jardin Blanc viennent tout juste d'être réalisés sur un financement du BPP 2016, Jeux et loisirs dans les parcs et squares du 15e, satisfait en quelque sorte du conseil de quartier, donc avis défavorable. Maintenant, nous pouvons regrouper 5 projets intitulés « Aménagement de square » pour un montant global de 620 000 euros, dont un piloté par la DLH, que nous abordons dans un instant, et 4 DEV. Le projet 1262 porte sur la rénovation du square Béla Bartok pour 200 000 euros, projet déposé l'an dernier mais qui n'a pas retenu suffisamment de suffrages, et auquel je suggère d'agréger le projet 1300 portant sur la rénovation du square Pablo Casal pour 70 000 euros. Également le projet 1382 qui porte sur la rénovation du square du docteur Calmette. Nous y sommes favorables pour un montant de 150 000 euros s'agissant d'un square implanté en plein cœur d'un quartier très populaire que nous essayons d'améliorer avec la création d'une zone de santé, d'une bricothèque ressourcerie d'ailleurs qui a été décidée. Dernier projet, le 1284 qui concerne l'implantation de hamac dans les squares, la mairie, pour un montant de 50 000 euros, un projet qui vient du Danemark. Paraît-il, c'est bien, mais favorable, on pourra mettre dans la mairie aussi. Sympa. C'est ça du conseil. Les hamacs, pourquoi pas. Ouais. Bon, on va tester. Mais non, c'est sympa, les hamacs. Hein ? Il faudra que je les essaye. Bon, avis favorable. Le projet 1598 porte sur le développement de l'agriculture urbaine à partir de technologies innovantes. Ce projet se rapproche de celui qui était adopté l'an dernier des fruits et légumes bio made in 15e, qui avait été le projet local le plus soutenu à Paris. Symbole, bien sûr, enfin très emblématique, l'enthousiasme des Parisiens pour l'agriculture urbaine. Et on partage leur enthousiasme. Ce projet s'en rapproche. Donc, on propose 200 000 euros. Permettant l'aboutissement aussi de projets en cours à venir dans les QPOP, Falguière, Perrichot et Frères Voisins. Avis favorable. Projet 1437, création de façades en micro-algues, dispositif très innovant, mais dont les retours d'expérience sont moins pertinents, c'est moins exploitable. Donc les services proposent un avis négatif.
avec peut-être l'idée de suggérer au porteur de redéposer son projet l'an prochain en étant un peu plus étudié. Voilà. Donc dommage pour les microalgues, mais il faudrait que quand même quelques éléments plus pertinents d'études. Le projet 386 porte sur la plantation d'un arbre de laïcité. Ce projet étant déposé dans tous les arrondissements, nous avons demandé sa parisianisation. Donc je donne un avis défavorable. Le projet 603 porte sur la création d'une dizaine de dog parkers, concept aussi innovant qui nous vient de New York cette fois-ci, pas du Danemark, et qui permet aux propriétaires de chiens de faire leurs leurs courses en toute quiétude, tout en préservant le confort de leurs chiens. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin. Bon, un avis favorable pour 10 000 euros. Ça fait cher la croquette. Projet 1377 porte sur le relooking de l'allée aux chiens du parc Georges Brassens. Alors là, il y a aussi un avis défavorable. Ah, pardon, excusez-moi. Pour le Doc Parker, peut-être que la DEF peut s'exprimer. Oui, le 603, c'est écrit avis défavorable à droite. Je pense que ça doit être une erreur. Non, parce que c'est écrit que ça engendre des coûts de fonctionnement. Est-ce que la DEF a quelque chose à dire là-dessus? Moi, j'ai avis favorable. Oui, mais juste à droite, c'est écrit avis défavorable à ce projet. Donc, je pense qu'il y a dû avoir une erreur. Oui, je pense que c'était le premier avis qui avait été donné. Et en fait, il est obsolète. Et c'est donc, suite à la remise en étude, un avis favorable qui a pu être donné. Alors donc c'est un avis favorable, c'est ça? D'accord, bon, ok, merci. Il y a un avis défavorable pour l'allée aux chiens, parce que nous indique la DEF, cet espace ne serait pas accessible au PMR, allée de gravier et de sable, et par ailleurs un projet parisien est proposé pour l'implantation de fontaines à boire. Dans tout Paris. Donc en fait, il y avait plusieurs choses. Quel rapport entre, non, je sais pas. Il y avait plusieurs choses dans ce projet, à la fois le réaménagement de l'allée et également la mise en place d'une fontaine à boire. Donc c'est avis défavorable pour la remise en état de l'allée, puisqu'elle ne serait alors plus accessible aux personnes à mobilité réduite. Mais en revanche, on peut installer une fontaine à boire pour que les chiens puissent se désaltérer. Ah, une fontaine à boire pour les chiens? Bah, c'est l'allée aux chiens est dédiée aux chiens, donc oui. Oui, d'accord, mais enfin, les humains ne sont pas interdits. Non, bien sûr. Ce serait discriminatoire. Non, c'est une fontaine à boire qui serait de l'eau potable, donc qui serait à la fois consommable par les humains, mais également par leurs compagnons à quatre pattes. Donc pour nos amis les bêtes, alors on est à moitié favorable, je ne sais pas comment on fait dans ce genre de... Je ne sais pas trop, peut-être que... Il faut peut-être redéfinir le projet. Voilà, donc oui, un avis favorable pour la fontaine à boire. On dissociera. Projet 1379 pour 8800 euros, végétalisation légère. Oui, effectivement, pour 8800 euros, c'est même très léger. De la place Charles-Michel et l'implantation de bancs ou de sièges. Ce projet sera financé par le conseil de quartier Emeriau, qui n'est pas représenté, mais qui nous l'a dit. Donc, avis défavorable. Le projet 463 d'aménagement de l'île aux cygnes en site naturiste, bon, a été rejeté par la mairie centrale. Et je partage ce avis, donc avis défavorable. Oui. Avec toi. Bon, il y avait une inauguration du site naturiste par le maire. Sa première adjointe, mais bon, on y réfléchira. Ben oui, bien sûr. Franchement. Le projet 894 pour 150 000 euros, regroupé avec 5 autres projets, nous avons vu il y a quelques minutes, sous l'intitulé Sport et loisirs au parc de Suzanne Lenglen, pour un montant global de 725 000 euros. Alors, porte sur le réaménagement des aires de jeu du parc Suzanne Lenglen. Ce projet viserait à revitaliser le quartier framboisin, donc nous y sommes favorables. Avis favorable. Voilà, donc terminé pour les projets d'EV. Et nous passons à la direction de la petite enfance, qui est là. Ben, c'est toujours Madame Jeannin. Ben oui, vous ferez avec. Hein. Nous avons deux projets avec le 740 de création d'une maison des bébés. Un avis très négatif de la DFPE.
en raison des coûts de fonctionnement très élevés. Bon, le projet évidemment intéressant, mais effectivement, pour des raisons de coûts de fonctionnement, avis défavorable. Le projet 400 porte sur des ludothèques en plein air. Ce projet a reçu un avis favorable de la DFPE pour 15 000 euros pour l'achat de matériel et de jeux. Alors voilà, c'est là qu'il y a cette proposition de réaffectation du kiosque citoyen qui est situé boulevard Garibaldi à Sèvres-le-Courbe et qui serait déplacé et implanté. Une proposition qui a été, alors je ne sais plus si ça a été accepté par la coulée verte. C'est à l'étude pour accueillir ce nouveau service ou ailleurs d'ailleurs, donc un avis favorable. Voilà, c'est fini. Direction de la jeunesse et des sports, qui est là. Oui. 15 projets. Projet 599, recharger son téléphone en pédalant. Tiens, d'ailleurs, on aurait tous pu le faire pendant la réunion, et on aurait rechargé à 100%, hein, parce que, je veux dire, ça fait quand même une heure et demie. Donc, il faudrait y penser pour la prochaine réunion. Non, monsieur. Avis favorable de la DGS pour un montant de 30 000 euros. Bon, il faut trouver un site. Mais bon, voilà. Je pense qu'il y aura des volontaires dans la salle. Sur le parvis de la mairie, par exemple, oui, bien sûr. Écoutez, la pompe à vélo. Le projet 829 porte sur la fourniture d'accessoires en mousse dans les piscines. Projet fléché vers la piscine Armand Massard, qui au fait est toujours en panne ou qui refonctionne? Enfin, j'ai une petite question au passage. Il y a des petits soucis avec Armand Massard, mais tout va rentrer dans l'ordre. Bon, on est content de le savoir. Merci de la précision de votre explication. Nous devons retirer ce projet. Donc, on ne va pas jouer avec la mousse. Parce qu'il reste des reliquats sur le projet lauréat de 2017, plus de sport dans le 15e. Donc, on pourra payer les accessoires en mousse. D'ailleurs, quand la piscine rouvrira, si elle rouvre un jour, Armand Massard. Le projet 1269 porte sur la création d'un skatepark à côté du square Béla Bartok. Projet porté par le conseil de quartier, mais qui a reçu un accueil mitigé, voire défavorable, de la DGS sur ce site qui vient d'être mis en état. Oui, vous avez vu qu'il y a une rénovation aussi qui est prévue sur le square. Donc après, c'est juste qu'on se mette d'accord et qu'on fasse quelque chose ensemble. Moi, j'ai pas de souci particulier ici. On avait plutôt un projet de skatepark, si ma mémoire est bonne, sur le Suzanne Lenglen. Enfin. Vers le transformateur électrique. C'est juste après, ça vient après. Ah, c'est juste après, d'accord. Donc là, il y a un avis défavorable, de toute façon. Enfin, ou alors, à moins qu'on l'étudie, moi, j'en sais rien. Ouais, bon, je pense qu'il faudrait reporter ce projet peut-être à l'an prochain, alors. Non ? Bon, projet 1545 porte sur la rénovation du gymnase Rigoulot. Alors, c'est un projet qui a déjà été déposé l'an dernier. La région accepte de financer un tiers de l'opération sur les 950 000 euros. Donc je propose de retenir ce projet en lui attribuant 650 000 euros. Pour Rigoulot, ce n'est pas un luxe. Hein. Le projet 1878 porte sur l'extension de la structure artificielle d'escalade à l'intérieur de la plaine pour un montant de 300 000 euros. D'ailleurs, un regroupement des écoles du 15e organisait la semaine dernière des espèces de jeux olympiques pour les classes élémentaires sur d'escalade. Et là-bas, c'était formidable. Bon, cela étant, le maintien de ce projet ne paraît pas opportun à cause des conflits d'usage avec les autres bénéficiaires. Les credos ne sont pas aplanis. Par ailleurs, la mairie du 15e a programmé des travaux de rénovation à la plaine qui sont incompatibles avec la réalisation simultanée de ce projet. Donc, nous proposons que les opérateurs redéposent le projet l'an prochain. Donc, avis défavorable. Je vous propose maintenant d'évoquer trois projets DJS regroupés avec les deux projets DAE et le projet DEV, regroupés sous l'intitulé Sport et loisirs au parc Suzanne Lenglen pour un montant global de 725 000 euros. Le projet DJS 889 porte sur le Street Work Out. On pourrait parler français un jour quand même. Au parc Suzanne Lenglen, avis favorable des services pour 75 000 euros. Le projet 893 de création d'une aire d'escalade, tiens, ça c'est en français, c'est pas normal, 100 000 euros.
Toujours à Suzanne Lenglaine, et le projet 1528, création d'un skatepark pour 300 000 euros. Voilà, c'est là, c'est un avis favorable. Ça, c'est très bien, le skatepark, ça fait 20 ans qu'on le demande. Donc, un avis favorable, oui. Alors, j'ai pas de souci, mais c'est vrai que Suzanne Lenglaine est grand, et mon intervention de tout à l'heure, c'est juste entre le skatepark, le mini-golf, j'ai pas de souci particulier, il faut juste savoir qu'est-ce qu'on priorise. Voilà. Oui, la DAC ne pratique pas le skate. Non, ça ne vous intéresse pas du tout. Merci de votre présence. Bon, vraiment, c'est une demande, mais de toujours. Et surtout, à Suzanne Lenglaine, il y a l'espace, pas du transformateur ou ailleurs, d'ailleurs. Le projet 832 porte sur la rénovation des douches et des vestiaires de la piscine Armand Massard. Il faudrait qu'elle fonctionne pour que les douches soient utilisées, les vestiaires aussi. Cette opération s'apparente à des travaux d'amélioration de l'existant et seront prises sur les crédits annuels, donc avis défavorable, rejet du projet. Projet 986, bon, on l'a reçu hier soir, hein. Identique au précédent, réfection des vestiaires et douches de la piscine Armand Massard, ce n'est pas tout à fait la vocation, l'esprit des budgets participatifs. Projet 1273 porte sur la création d'un terrain multisport sous le métro aérien de la ligne 6. Il semblait qu'il y en avait un, mais enfin bon. Oui, il y en a un. Donc, avis défavorable de la DGS. Non, pardon, avis favorable de la DGS. Mais moi, j'ai plutôt un avis défavorable. D'habitude, c'est l'inverse, mais enfin, on peut combattre à front renversé de temps en temps. Un TEP existe déjà. Par ailleurs, un projet lauréat en 2017 prévoit le réaménagement complet du voir de Grenelle avec sa pacification, végétalisation, etc. dans 2 ans. Enfin, la DVD est défavorable. Je parle pour elle, vous voyez comme quoi je défends les intérêts de la DVD aussi parfois. Au projet qui neutralise du stationnement payant entraîne des pertes de recettes. Hein. Donc voilà, pour le moment c'est un avis défavorable. Mais surtout ce que je comprends pas, c'est qu'il y a déjà... Un terrain multisport, mais qui... Non, c'est pas au même endroit. Comment ? Mais qui demande un deuxième ? Pardon. Ça me paraît... en tout cas, je n'ai pas un avis définitif sur le sujet, mais on va rénover le boulevard de Grenelle, là, donc est-ce que ça ne peut pas être reporté ? Sauf qu'il y en a déjà un. Qui veut parler ? Pardon. Bonjour, excusez-moi. Je suis effectivement vice-président du conseil de quartier Maude Piquet. Ça a été effectivement discuté lors d'une réunion préparatoire parce que les habitants trouvaient effectivement que le terrain était très occupé et donc en fait que beaucoup de jeunes étaient à côté ou effectivement traînaient un peu. Et donc l'idée était d'en aménager un deuxième à côté pour effectivement essayer de rénover un peu. Je comprends la demande. Le projet existant est un projet qui était mis en œuvre. Il était demandé d'ailleurs depuis des années par la mairie de Paris et à l'instigation, je peux dire, la mairie du 15e. Nous attendions ce projet avec beaucoup de ferveur, si je peux dire. Et c'est vrai qu'il est très utilisé, donc il prouve bien son utilité, notamment pour les jeunes du quartier de Duplex, dont l'objectif était de leur donner un terrain d'évolution sportive à proximité pour qu'ils ne restent pas sur la place Leroy-Gourand, notamment. À jouer ballon sur les murs ou sur les vitres de la crèche ou autre, quoi. Et sur d'autres placettes de ce secteur. Néanmoins, je pense que c'est intéressant d'évoquer un deuxième terrain. Alors, est-ce qu'il faut le faire là ou ailleurs, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous allons avoir des travaux RATP considérables en 2019. D'ailleurs, on va bientôt le signaler au conseil de quartier. En 2019, vous savez que la RATP rénove totalement, quand je dis rénove, ils enlèvent tout, hein, les rails, le ballast, les graviers, tout ça. Ils rénovent les ponts, tout ça. Sur la ligne 6, il y a déjà eu des travaux il y a à peu près 2-3 ans qui ont fortement impacté le quartier. D'ailleurs, c'est des travaux gigantesques, jour et nuit. Hein. Ils ont fait un premier tronçon à cette époque. Et là, le deuxième tronçon, ce sera 2019. J'ai plus également... Oui, 2019 de 2020, mais c'est sur quel secteur, je ne sais plus. Enfin, c'est sur ce tronçon-là, en tout cas. Donc, tout va être fermé, même ce terrain-là ne pourra pas être utilisé.
Et le temps qu'on le fasse, c'est pour le fermer à partir du moment où on l'ouvre, d'autant plus que, parallèlement et après, nous aurons une rénovation, c'est ce que j'ai dit, l'arc vert, hein, ce tronçon de l'arc vert structurant sur une sorte de pacification, végétalisation, aménagement urbain, sur ce qu'on appelle l'enceinte des fermiers généraux, hein, formée par les boulevards Garibaldi, Pasteur, Grenelle, entre Bir Hakeim et Montparnasse. Je pense que c'est dans ce cadre que vous pourriez redéposer votre projet, parce que de toute façon, il ne sera pas fait sinon à temps, mais ça mérite, si vraiment vous pensez qu'il faut un deuxième terrain, c'est pas inintéressant. Parce que pour le moment, j'ai beaucoup de plaintes sur le secteur duplex, notamment la place Leroy Gourand, mais aussi sur la place entre les deux bâtiments d'entrée, là, et notamment des plaintes de la crèche, pour des jeux inappropriés sur les espaces libres. On redéposera le dossier plus tard, peut-être. Merci. Vous voyez, c'est juste pour des raisons de délai, mais c'est un projet intéressant, je crois. Alors, 1561, rénovation du mur d'escalade rue de la Croix-Nivert. Nous y sommes favorables pour 250 000 euros. Les associations sportives pour l'escalade, ça se multiplie. Hein. C'est quelque chose qui est de plus en plus populaire. Projet 1591 porte sur la création d'une salle de bloc rue de la Croix-Nivert. Ce projet ne peut pas être retenu car dans le cadre de Paris Terrain de Jeu, ce site sera prochainement aménagé en complexe innovant de surf indoor. Avis défavorable. Ah oui, il y a un projet déjà de budget participatif, non ? Non, pas du tout dans le cadre... voilà, c'est le projet Paris Terrain de Jeu de la mairie de Paris. Et ce terrain sera aménagé pour une vague de surf. Donc avis défavorable. Projet 2016 porte sur le réaménagement du playground de Bir Hakeim dans le stade Émile-Antoine. Alors, la DJS n'y est pas favorable. Elle considère que ce projet de 350 000 euros pourrait être réalisé sous réserve des contraintes techniques et des autorisations administratives, de conditions qui ne seront, seront jamais réunies d'ici là. Donc, avis défavorable, n'est-ce pas ? Vous avez favorable ? Bah oui, c'est favorable, je comprends pas. Oui, c'est favorable. Bon. Alors ? Oui, alors allez-y. Oui, Laurence de Lépine, DJS, service de l'équipement. Le projet comportait deux volets, en fait. D'une part, la création, enfin, ou la rénovation d'un playground, comme c'est décrit. Et dans une deuxième partie, un réaménagement des surfaces extérieures d'Émile Antoine, de les ouvrir sur le boulevard pour créer un lieu d'accueil, d'information, etc. Donc c'est sur cette deuxième partie où on porte un avis défavorable parce qu'on vient modifier la configuration du site et donc la gestion même du site, sa fermeture ou son ouverture sur la voie publique. On porte par contre un avis très favorable sur le projet de playground qui a été présenté par l'association. D'accord. Bon, et tout ça va s'intégrer dans la restructuration du secteur projet d'aménagement Tour Eiffel. Ça n'a pas d'impact. Le playground, non, je ne pense pas. C'est déjà un terrain qui existe. D'accord. Par contre, okay. Donc on scinde le projet en deux et on retient cette partie playground. Pour quel montant ? Oui, je n'ai pas entendu. Ah, c'est ce projet, c'est 300. D'accord. Alors, ok. Donc, c'est un avis favorable. Bon, ok. Ensuite, projet 1156 de création d'un mur d'escalade sur la cheminée CPCU. Oui, c'est vrai que c'est haut. Mais bon, le site n'appartient pas à la ville. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive en haut ? Non, je rigole. Avis défavorable. Oui, il y a les faucons Cressel. Le projet 831 concerne la création d'un hammam, bon, près des hamacs, ou d'un sauna dans l'enceinte de la piscine Armand Massard, qui est en panne, toujours, depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de bonne nouvelle. Projet rejeté par les services, car trop énergivore.
J'ajoute que dans le cadre du projet urbain Maine-Montparnasse, projet colossal hein, sur 10 ans de restructuration du secteur, les équipements publics tels que cette piscine subiront des transformations très importantes et que ce projet reçoit un avis défavorable de la DGS en raison de coûts de fonctionnement très élevés en personnel que je partage. Avis défavorable. Voilà. Alors, merci pour la DGS. Maintenant, la DLH, Direction du logement et de l'habitat. Merci, madame. Le projet 1360 concerne la rénovation de la salle associative AAPV implantée dans le patrimoine de Paris Habitat, qui recueille de la DLH défavorable compte tenu du coût très important, 400 000 euros générés par la nécessité de rendre accessible au PMR et d'y aménager un ascenseur. Oui, au-delà du coût des travaux, on aura un problème d'accessibilité qui sera limité à 19 personnes. Pardon, excusez-moi. Au-delà du coût des travaux, que Paris Habitat est estimé à 450 000 euros, on aura tout de même, même si on les fait, un sujet d'accessibilité du public, puisqu'on ne pourra pas dépasser le seuil de 19 personnes. 19 personnes ? Oui, donc c'est vraiment... Ah bon, donc ça ne convient pas du tout, alors. C'est pas du tout approprié, d'accord. Avis défavorable. Alors, comme nous venons de le voir sous le projet regroupé aménagement de square, tout à l'heure, un montant global de 620 000 euros, le projet 1383 porte sur l'aménagement du cheminement du square Bartholomé pour un montant de 50 000 euros, avec un avis favorable pour ce projet en QPOP. Oui ? Donc, oui. Il était aussi sur les projets DEV. On avait mis un avis défavorable parce qu'il est déjà financé en fait par la mairie sur les IIL de cette année 2018. Bon, ben on l'enlève alors. Mais je crois qu'il est dans le regroupement de tous les squares, donc on pourra toujours. D'accord, oui. Ça permettra de mieux réaménager les autres squares. Donc on le laisse, ok. Alors maintenant, merci madame. Au titre de la DCPA. Direction de la construction du patrimoine et de l'architecture. Trois projets, dont le projet 909 d'installation de radiateurs intelligents dans les bâtiments municipaux. Je note qu'une expérimentation est déjà en cours, conduite par la DCPA et la mairie du 15e, et visant à équiper de micro-data centers la maison des associations et plusieurs bureaux de la mairie. Ce projet 909 a reçu un avis favorable des services. Évidemment, favorable, 300 000 euros. Hein ? Voilà, ce qui fera de la mairie du 15e la première chauffée en data center. Je propose mon bureau, parce que comme ça, au moins, il sera chauffé un jour. Merci. Oui, pardon, madame. Excusez-moi, Basiro. Je reviens juste sur le regroupement de 620 000 euros de Square. Et il me semble que dans ce regroupement, il y a 5 projets, dont 2 qui sont localisés en quartier populaire et d'autres qui ne le sont pas. Donc, sauf que ce sont deux enveloppes qui sont bien distinctes. Donc, comment vous envisagez la mise au vote ? Est-ce que dans ce cas-là, il y a un retrait des quartiers populaires de projets ? C'est pas possible de mettre en fait dans un même regroupement des projets en quartier populaire et d'autres qui ne sont pas localisés en quartier populaire. Donc, ça serait deux regroupements différents que vous pourriez faire. On le passe alors. D'accord, très bien, merci. Pour ce soir, le quartier populaire, d'accord. Alors, le projet 1569 est un projet à voile et à vapeur, comme son nom l'indique, et porte sur l'implantation d'une éolienne à proximité de la gare de Vaugirard. Voilà, une gare SNCF bientôt transformée en espace de coworking, on en a parlé tout à l'heure, grâce au budget participatif d'ailleurs 2015-2017. Donc c'est un projet qui est intéressant, hein, mais qui pourrait être déposé l'an prochain, une fois que la gare sera aménagée. Parce qu'il faut d'abord faire les travaux de la gare, et puis on verra après si on est à voile et à vapeur. Mais d'abord réaménageons la gare, et ensuite on peut faire déposer l'année prochaine. Le 1299 porte alors là sur l'implantation de mini-éoliennes urbaines sur les toits et terrasses de bâtiments municipaux. Nous en avons d'ailleurs une déjà sur le toit de l'incubateur de la rue de Lourmel, qui est un incubateur RIVP, qui d'ailleurs le deuxième incubateur à Paris après Station F, même si c'est pas la même dimension. Donc nous y sommes favorables pour un montant de 30 000 euros pour les mini-éoliennes. Merci. Direction de la propreté de l'environnement.
Il y a quelqu'un ? La propreté, l'environnement, DPE. Ils se sont excusés. Bon. De toute façon, ils ont un projet et qui a recueilli un avis défavorable. Donc, vous pouvez rester couché, effectivement. Alors, les projets 94, 1833 et 900 portent sur la création de fontaines à eau et d'une fontaine Wallace, pour lesquelles aucune étude n'a encore été lancée par Haute-Paris, rendant ces projets plus qu'hypothétiques. Donc, nous proposons de les retirer en attendant qu'Haute-Paris rende ses conclusions. Alors, oui, avant le 12 juillet, date à laquelle Pauline Véron et moi-même acterons les projets sur lesquels nous demandons une instruction pour les services. Donc, c'est le 12 juillet qu'on en saura davantage. En attendant, avis défavorable. Direction de la voirie. La voirie est là, monsieur Passieux. 18 projets. Bon, ça vous fera un petit peu de travail pour cet été. Alors, nos concitoyens ont choisi de nombreux projets relevant de la DVD, comme à chaque fois d'ailleurs. Lors des fois précédentes, c'est vrai, l'essentiel des crédits afférents n'a toujours pas été engagé. C'est quand même un gros sujet. Bon, les contrats techniques, passation des marchés, tout ça, sont très contraignantes. Mais le problème, c'est d'ailleurs, Madame Roy l'évoquait tout à l'heure, c'est que ce serait quand même difficile d'inscrire des nouveaux crédits. Alors souvent, là, avec des montants très très élevés, c'est une crédit de voirie, sans s'assurer qu'ils puissent s'inscrire dans le prolongement d'opérations déjà validées, techniquement faisables et réalisables dans des raisonnables, parce que la DVD est vraiment très très chargée et... Et c'est des investissements assez lourds. Donc sur les 18 projets sélectionnés, on en retiendra assez peu à l'avant de la DVD. Le projet 765 porte sur des stations de scooters pliables électriques, avis défavorable des services techniques. Le projet 792 porte sur la signalisation du centre Paris Anime, Soane Benzian. Compte tenu des réticences de la mairie de Paris, pourquoi ? Et du faible coût de ces panneaux, moi je suggère que... Enfin, je suggère. On me dit que le conseil de quartier Alleret prendra en charge la dépense. Donc avis défavorable. Proposition d'un nouveau regroupement de deux projets DVD et un projet SG dont l'intitulé est « Des rues intelligentes », comme les radiateurs, si je comprends bien. On commence à être intelligent dans le 15e saison, on a des rues et des radiateurs. Intelligent dont le montant global est de 550 000 euros. Avec le projet 871 qui porte sur la création d'une route solaire dans le 15e. On est favorable à ce projet qui permettra de conforter l'expérimentation lancée dans trois rues du 15e. La rue Bourdel est équipée depuis quelques semaines de capteurs de présence nocturne qui permettent de diminuer la luminosité lorsqu'il n'y a ni vélo, ni piéton, ni voiture. D'après ce qu'on me dit, ça permet d'économiser 75% d'énergie. La rue Frémicourt et la rue Lecourbe seront quant à elles bientôt recouvertes. On voit bien, parce qu'il y a des gros travaux. Hein. La place Cambronne, c'est sympa. Je vous suggère d'éviter de passer place Cambronne en ce moment. Surtout si vous ne voulez pas avoir d'accident. La rue Frémicourt et la rue Lecourbe seront bientôt recouvertes d'un macadam. Alors, macadam intelligent, on peut dire. Innovant, en tout cas, permettant d'éviter les îlots de chaleur et de diminuer le bruit du roulement des voitures sur la chaussée. Alors, j'ajoute que ces deux projets sont cofinancés par l'Union européenne et que le projet de route solaire pourrait l'être tout autant. Donc, on propose 300 000 euros. Merci au service de nous proposer donc un itinéraire de route solaire traversant le 15e. Le second projet 1580 porte sur l'aménagement de davantage de rues intelligentes dans le 15e, en smart lighting, recueillant un avis favorable pour un montant de 150 000 euros. Et le troisième projet 1280 du SG porte sur l'installation de capteurs de pollution et d'analyse de l'air avec un avis favorable. Alors, projet 1255, sujet épineux s'il en est, n'est-ce pas monsieur Passieux, il s'agit de la troisième tranche de la rénovation de la Soudal Beaugrenelle. Nous avons d'ailleurs une réunion prochainement là-dessus, où je compte bien que vous soyez applaudis par la foule. Donc montant de 400 000 euros. Je sais que
vous nous dites que les projets, les travaux programmés sont pas encore achevés, etc. Bon, enfin, moi, j'aurais plutôt tendance à poser un avis favorable, parce que ça va être compliqué quand même à expliquer que depuis que cette opération de rénovation de la sous-dalle Beaugrenelle est en cours, on refuse des crédits. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, je vous laisserai parler tout seul. Hein. Ça ne comptez sur aucun appui de ma part. Allez-y, mais vous pouvez répondre. Non, mais il y a pas. Les études sont faites sur la rue du Théâtre, qui serait la rue manquante là pour l'aménagement. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à l'inscrire. C'était juste par rapport au recul d'expérience. Il y avait quelques réticences pour dire est-ce qu'on attend que les gens voient ce qui est fait dans notre nouvelle configuration ou pas. Mais ceci dit, on peut tout à fait l'inscrire. Oui, moi je pense qu'il faut l'inscrire et puis on expliquera aux gens que bon, voilà, il faut être patient et surtout écouter l'explication technique. Ce qu'ils n'ont pas toujours l'heure de faire. Alors, le projet 1557, donc avis favorable. Le projet 1557 porte sur l'implantation de 5 pompes à vélo pour un montant de 10 000 euros. Projet qui renforcera le réseau de pompes à vélo public que nous avons mis en place dans le 15e, dont une en face de la mairie. Et qui pourrait. Alors, oui, alors en fait. Là aussi, les conseils de quartier se portent volontaires sur leur budget, donc avis défavorable, parce que ce serait transféré sur les budgets des conseils de quartier qui s'y sont déclarés favorables. Le projet 1806 porte Madame Leroy. Madame Roy. Ouais, est-ce qu'on peut savoir quels conseils de quartier sont déclarés non. favorables? Non, parce que je n'ai pas les indications. Bon, il faudra qu'on le sache pour la transparence d'autant des budgets plus, d'investissement des conseils de quartier. D'autant plus que les sommes sont assez modiques. C'est quoi? Oui, c'est entre 2000 euros par pompe. Philippe Stellandre. Oui, moi je voudrais revenir sur effectivement le budget des conseils de quartier. Comme vous le savez, ça a été évoqué l'an dernier, les conseils de quartier ont acheté sur leur budget des radars pédagogiques qui sont dans les sous-sols de la mairie que la voirie ne veut pas installer. Donc... faire passer des dépenses sur les conseils de quartier, ok, mais il faudrait qu'il y ait des actions derrière, quoi. Alors, l'intérêt de la pompe à vélo, c'est qu'elles n'ont pas besoin des services de la direction de la voirie pour fonctionner, ce qui n'est pas le cas des radars pédagogiques. Donc, vous pouvez peut-être nous dire un mot, monsieur Passieux, puisque vous êtes interpellé sur cette question, à juste titre, d'ailleurs. Les pompes à vélo, il y avait quelques... C'était plutôt sur les radars pédagogiques. Sur les radars pédagogiques, oui, il y avait eu la question déjà de poser. C'était plus par rapport à l'alimentation électrique et au mode de pose, par rapport à la pérennité des... à la longévité des batteries qui étaient mises en place. Il fallait aller les changer. Donc là, ça faisait appel à de la maintenance, à des nacelles qui devaient venir, des brigades, pour faire ces changements réguliers. Donc on avait évoqué... Donc ça, c'était ça le point limitant. On avait évoqué de mettre des panneaux solaires comme dans notre circuit, mais c'était des coûts d'investissement qui étaient différents, et donc on en est resté sur ces idées. Mais ceux qui sont déjà achetés sont des choses où il faut changer les batteries. Même moi, je me suis. Et c'était ça la limitation de mise en œuvre. Alors, je voudrais juste faire une petite remarque. L'an dernier, Madame de la Tournerie, qui était là, nous a dit qu'il fallait un mois, une personne à temps complet pour changer 10 batteries tous les 15 jours. Donc, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. Comme, moi, je vais venir travailler à la voirie. Hein. Non, mais j'ai pas. Enfin, d'abord, j'ai pas quantifié, mais c'est surtout que ça mobilise des services pour venir. Depuis, c'est des services maintenant un peu centralisés, donc ils sont pas juste à côté, qui viennent pour une batterie ou deux. Et bon, c'est par rapport à ça. Donc, c'est des quantifications et puis des brigades qui ne dépendent pas directement de nous. Donc, et qui sont très sollicitées par ailleurs pour l'état des chaussées aussi, pour le déneigement, pour des ponts. Bon. Pour les crues. Bref, ça ne nous convient pas de toute façon. Et M. Stendhal a raison de poser cette question, qu'on pose de façon récurrente, d'ailleurs, depuis des années. Je ne sais pas ce que deviennent d'ailleurs ces matériels, ils sont peut-être hors d'usage maintenant, enfin, je ne sais pas s'ils sont... Mais enfin, je souhaiterais qu'on puisse faire une réunion là-dessus, parce qu'on a quand même 10 radars pédagogiques, enfin, on ne parle que de sécurité routière et à juste titre, hein. Et là, il y a une très bonne initiative, hein, des conseils de quartier à l'époque. D'ailleurs, il y en a un ou deux qui avaient été installés dans le 15e il y a des années, c'était au début de mon premier mandat, je crois, même avant, et ça donnait des résultats très intéressants, hein.
On l'avait installé devant Louis Armand au bout de la rue Lecourbe, où il y a une ligne droite, là, sans interruption sur un kilomètre. Vous prenez de la vitesse. Donc, rue Castagnier aussi. Donc, franchement, alors, c'est pas passé de. C'est pas le tout ou rien, quoi. On pourrait en faire fonctionner un ou deux ou trois. Ça prendrait moins de temps que dix. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose à faire, ne serait-ce que pour pas gaspiller l'argent public et pour améliorer la sécurité routière. Il faudrait trouver un système. Essayons d'en discuter. Non, mais tout à fait. Bon, l'année dernière, on avait retenu, pour conclure là-dessus, sur des radars pédagogiques avec panneaux solaires, qui finalement oui, sont pas passés au vote. Oui, mais à ce moment-là... On peut tout à fait d'accord pour donner... Comme c'est sur les budgets de conseils de quartier, peut-être que les conseils de quartier peuvent voter crédit pour transformer pédagogique, enfin l'alimentation en tout cas, énergie solaire. Enfin, tu vois, enfin, en tout cas, on va faire une réunion avec les conseils, enfin, les responsables des conseils de quartier concernés, la voirie, enfin tous les partenaires, et puis pour sortir, il faut en sortir maintenant de ce truc. Alors, projet 1806 porte sur une meilleure signalisation des zones piétons vélo. Alors, c'est un projet estimé à 20 000 euros que nous proposons d'intégrer dans le projet lauréat du budget participatif de 2016 qui a été doté de 560 000 euros et dont, à ma connaissance, aucun euro n'a été engagé, quoi. Donc la marge de manœuvre est assez importante, donc avis défavorable. Il faudrait peut-être engager d'ailleurs ces sommes quand même un jour. 1559, équipement de drones aquatiques intelligents. Bon, pourquoi pas. Pour ramasser les déchets sur la Seine. Bon, excusez-moi, mais... bon, là, les services émettent un avis favorable ou défavorable? Ben oui, parce que moi, c'est favorable. Mais il y a marqué favorable. À la condition... Alors, les services auraient émis un avis favorable si des modifications de fonds avaient été apportées à ce projet, barrages flottants et poubelles flottantes, par exemple, ce qui le dénaturait, donc a mis avis défavorable. Projet 788, mise en lumière de 3 sous-ponts du périphérique, porte de Sèvres, porte de Versailles, porte Brancion, pour un coût global de 1,2 million. Bon, alors, la DVD n'est pas hostile techniquement à ce projet, mais franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais affecter 1,2 million pour une opération de ce type, même si ce n'est pas inintéressant, c'est quand même... Moi, par exemple, je préférais que 1,2 million soit mise... permettre la mise en lumière innovante de la soudade au Grenelle, dont on parlait tout à l'heure, parce que ce serait... Bref, avis défavorable. Projet 1287 porte sur la mise en lumière du viaduc de la ligne 6 du métro aérien pour un montant de 3 millions. Je ne sais pas où ils trouvent leur devise. Hein. Compte tenu du montant, c'est juste la moitié du budget participatif annuel du 15e. Donc c'est quand même impossible. Délai d'étude et normes nécessitant un marché public. Tous éléments qui rendraient réel ce projet que dans 2 ou 3 ans minimum, d'ailleurs, mis avis défavorable. Même si... ça déçoit certains participants. Bah, dis un mot si tu veux. Bon. Si tu n'as pas l'argent, tu peux au moins avoir la parole. Non, mais je trouvais que c'était un beau patrimoine, le viaduc de la ligne 6. Et je me demandais si, dans le cadre de la rénovation de la ligne 6, la RATP ne pouvait pas étudier, en tout cas, une petite mise en lumière, sans forcément atteindre des sommes pharaoniques comme celle qui est proposée là. Mais il me semble qu'on en avait déjà parlé à la RATP, d'ailleurs, et qu'on n'avait pas reçu une fin de non-recevoir. Donc c'est peut-être à creuser auprès de la RATP directement. Et dans le cadre des travaux de rénovation de la ligne 6, on verra tout à l'heure. Parce que 3 millions, c'est quand même un peu cher. Projet 131 et 1381 portent sur un asphalte anti-bruit boulevard Lefèvre pour un montant de 700 000 euros. C'est un projet intéressant mais prématuré à cet endroit car Unibail est en train de faire des travaux gigantesques sur le parc d'exposition. Travaux d'ailleurs, je le dis au passage, qui provoquent des nuisances insupportables pour les riverains. Avec des norias de camions qui détériorent la chaussée. Enfin, c'est quand même
un vrai problème, là, sans compter les poussières, le bruit. Hein. Donc, en réalité, ce que nous souhaitons, c'est que les porteurs de ces projets puissent le redéposer, soit l'an prochain, soit l'an prochain, soit en 2020, parce que les travaux seront terminés, enfin, à cet endroit-là, en tout cas à ce moment-là, pour être mis en œuvre après que Univa ait réalisé ses travaux. Donc, avis défavorable. Monsieur Passieux. Juste pour que ce soit clair et qu'il n'y ait pas de surprise l'année prochaine, par rapport aux 700 000 euros, donc ce n'était pas la mise en œuvre d'un enrobé phonique sur l'ensemble du boulevard Lefebvre, hein, qui est extrêmement long. On avait repéré deux choses. Il y avait la zone en pavé que sur le boulevard Lefebvre devant la porte de Versailles elle-même. Donc l'idée, évidemment, dans les zones les plus bruyantes, c'était forcément celle-là, parce qu'elle est en pavé actuellement. Donc c'était de remplacer cette structure de chaussée par une structure asphalte ou en enrobé. Et puis après, c'était des réflexions ponctuelles. Hein, c'est pour ça que je veux juste qu'on ne reste pas sur l'idée de qu'en ordre de grandeur, avec 700 000 euros, on puisse faire l'ensemble du boulevard. Notamment dans les zones plus dégradées, donc les carrefours ou la zone très en pente où les véhicules redémarrent. Ah oui, il y a des zones ponctuellement très dégradées où il aurait pu faire l'objet de reprise. C'est en aucun cas la réfection complète du boulevard et même pas en enrobé phonique. Moi, je me demande si le revêtement en asphalte sur les pavés est quelque chose qui est souhaitable. Alors évidemment, ça fait peut-être un peu de bruit. Enfin, c'est surtout le parc qui est gêné, il y a quelques habitants, mais moi, par exemple, pour avoir fait une réunion, c'était au conseil de quartier, là, j'assistais à un conseil de quartier, c'était pas Pasteur Montparnasse, non, c'était le Bas-Vaugirard, c'est Pasteur Montparnasse, le Bas-Vaugirard, non, Alray, Procession, Vaugirard, enfin bref, on est venu présenter à ce conseil de quartier l'aménagement de la rue de Vaugirard à partir de la porte de Versailles, avec piste cyclable, etc. Et en plus, il était demandé par les opérateurs de prolonger le pavage sur la rue de Vaugirard. Donc c'était exactement l'inverse. Les gens demandaient qu'on enlève l'asphalte pour mettre des pavés. Il parlait du trottoir. Hein. Il voulait enlever l'asphalte des trottoirs pour en mettre des dalles sur le... Ah, c'était sur le trottoir, d'accord. Franchement, il y a d'autres dépenses à faire. À mon sens, notamment, il y a un asphalte anti-bruit à mettre, surtout sur le Fèvre sans doute, mais aussi sur le quai Citroën. Hein. Depuis que vous avez eu la brillante idée d'installer une piste cyclable qui part de Boulogne jusqu'à Birakem, rive droite, sans prévoir aucune sortie, rien du tout, et aucun aménagement de voirie, aucun nouveau plan de circulation. On a un report de circulation phénoménal de la rive droite, du quai rive droite sur le quai rive gauche, et les gens se plaignent énormément de vivre dans la pollution, dans le bruit et dans les embouteillages sur le quai Citroën qui roule à peu près bien. Donc bravo pour ce nouvel exploit de la voirie parisienne, et je demande, et je l'ai demandé à la mairie de Paris, ça, reprise, qu'on puisse faire au moins ces travaux d'asphaltage sur le quai Citroën, qui me paraît tout à fait indispensable. Quant à la place du 9 novembre 89, porte de Versailles, là je le dis aussi à la voirie qui est chargée de ça maintenant plus ou moins, c'est une place qui ne sert uniquement qu'à un parc à moto, comme sur le voile Vaugirard. Même traitement, donc je demande que les enlèvements soient systématiques sur cette place. Ça a été fait hier à ma demande déjà, mais enfin il faut le faire tous les jours, parce que cette place n'est plus une place, ça devient un parc à moto. Alors qu'on voit peut-être l'installation. Alors, et en plus, ce sont évidemment des gens qui viennent au parc d'exposition. Donc que le parc d'exposition se débrouille pour accueillir ces motos. C'est comme la gare Montparnasse du boulevard de Vaugirard, c'est pareil. C'est le même traitement, donc il faut que les motos rentrent dans le parc. C'est impressionnant de voir des centaines de motos qui occupent toute cette place, quoi, qui est une place piétonne, et c'est même là qu'il y a la station du tramway. Monsieur DPSP, micro pour la DPSP. Bon, pour la place, il n'y a aucun souci. Hein, laquelle
la place de la porte de Versailles. Oui. Hein, il n'y a aucun problème, je verrai ça avec Sona Diogba. Hein, donc on avait fait la même chose pour boulevard de Vaugirard. J'avais vu ça avec M. Ragu et puis ça s'était très très bien passé. Il y avait une amélioration. Absolument. Félicitations. D'ailleurs, continuez à enlever le maximum. Merci. Non, mais il y a des parkings en plus dans la gare Montparnasse, des parkings à moto. Les gens ne veulent pas payer. OK, mais on n'est pas obligé de se transformer en parc à moto, surtout qu'on a installé des emplacements de stationnement de roues motorisées tout le long du boulevard Vaugirard, en plus. Monsieur le maire ? Oui, Madame Roy. Ouais. Oui, comme il y a deux projets quand même qui demandent à peu près la même chose, hein. Est-ce qu'on ne peut pas au moins garder la partie sur les zones les plus dégradées, là, dans les zones de freinage et de démarrage, à défaut de garder oui. celui de la porte de Versailles ? D'accord, absolument, moi je suis assez partisan de ça, oui. Donc on scinde en deux, puisque après vos explications, on a bien vu qu'il y avait deux sujets différents. Alors est-ce que c'est 700 000 ou est-ce que c'est moins ? Hein ? Bah en gros, les réparations, j'avais mis 274 000, mais on peut retenir 300 000 pour 300 000. Faire une première zone. Alors, Monsieur Stellandre. Oui, moi, je voulais revenir sur le stationnement des motos sur les trottoirs. Est-ce qu'on pourra éventuellement faire un point sur les projets qui ont déjà été votés et qui ne sont toujours pas réalisés, en particulier un projet d'aménagement rue du Théâtre, ou donc sur la place au coin de la rue du Théâtre et de l'avenue Émile Zola, il y a un parc de stationnement moto. Donc il y a un projet qui a été voté pour réaménager ça. Les travaux étaient supposés commencer au mois de mars-avril de cette année. Il n'y a toujours rien. Est-ce qu'on pourrait faire un point sur les anciens projets ? La place Dreyfus ? Non, pas la place Dreyfus. Ah, juste avant, oui. L'angle théâtre Émile Zola. D'accord, qui est le petit, c'est une espèce de terre. Exactement. D'accord. Bah oui, monsieur Passieux, vous pourrez répondre. Enfin, ou en tout cas, vous regardez ça. Je n'ai pas du temps en tête, je vais regarder ça. J'avoue que en rue du théâtre, je pensais forcément à la Soudalme Grenelle, mais le. Non, non, théâtre Émile Zola. Ben, vous voyez la place Dreyfus en face, ouais, c'est d'ailleurs assez, une intersection assez compliquée. C'est un projet qui a été voté, enfin qui a été sélectionné en 2016 et qui a été regroupé avec deux autres projets. Mais au budget participatif, parce que là, moi j'ai la liste de l'ensemble des budgets participatifs en cours et. Bon, ben, je viendrai vous voir. On regardera où ce qu'il y a le budget, c'est. Merci. Projet 430, sécurisation du passage piéton en rue Auguste Chabrière-Desnouettes avec un ralentisseur. Alors, la direction est favorable, mais alors pour un montant de 50 000 euros, à la condition que la DVD s'engage à réaliser ses travaux avant l'été 2019. Voilà. Donc, alors avis favorable, défavorable, je ne sais pas. Moi, Oui, non, on peut faire ces travaux. Là, ce qui était envisagé, plutôt que des ralentisseurs, c'était de faire des oreilles, en fait, pour cette traversée-là. C'est des oreilles. Donc, pour en discuter, la demande, c'était effectivement un ralentisseur, mais comme la rue, c'est en fait pour les véhicules qui proviennent de la rue des Nouettes, comme elle est assez large, c'est où on fait quelque chose vraiment... Et vous pouvez faire prochainement. C'est plus une configuration. Oui, on sait faire ça dans les... Bon. Avant l'été 2019, merci. Donc, c'est avis favorable. Projet 447, travaux à réaliser, boulevard Pasteur, qui fait l'objet, bien sûr, d'un projet ambitieux de rénovation voté en 2016. Le secrétaire général a confirmé que nous pourrions consommer des crédits votés pour le projet contigu de rénovation des voies Grenet-Garibaldi, dont les études ne sont pas encore achevées, qui seront réalisées plus tard, ce qui nous amène à porter un avis défavorable. C'est bien ça. On pourra reporter les crédits. Projet 1019, aménagement du rond-point joignant le boulevard Pasteur au boulevard de Vaugirard. Un projet estimé à 900 000 euros. Alors, ce qui est dit, c'est qu'il semblerait préférable d'attendre la réalisation du projet du budget participatif de 2016, qui était à 1 325 000 euros. De rénovation des boulevards, on s'engageait dans une seconde tranche dont la pertinence n'est pas avérée, donc un avis défavorable, c'est bien ça. Je rappelle que nous attendons l'arrivée du Centaure de Bourdelle sur cette place, que nous réclamons depuis des années, c'est-à-dire qu'il serait, enfin il est demandé par le conseil de quartier notamment, sur ces espèces de terre-plein central immonde, qui pourrait être rénové plus tard effectivement,
soit implanté le Centaure de Bourdelle, qui est au musée Bourdelle. Le musée n'y est pas défavorable, d'ailleurs, mais voilà, bah, ça n'avance pas. Mais ça n'a rien à voir, hein, avec le sujet. J'en profite pour le dire au passage. C'est dommage que la DAC soit partie, d'ailleurs. Enfin, de toute façon, j'ai relancé la DAC là-dessus. Et le musée Bourdelle. Juste pour qui veut parler, monsieur Passieux? Pardon, excusez-moi. Pour le projet 447, là, donc, c'était, la demande était de mettre de l'enrobé sur les pavés. Pour, donc, je ne sais pas si c'était intégré au projet initial, mais sinon, c'était vraiment le traitement anti-bruit, enfin, une réduction du bruit sur ce. Alors, est-ce que ça ferait une première phase qui pouvait être réalisée? C'était 73 000 euros. Hein. Est-ce que ça serait une première phase qui pouvait être faite juste pour faire un tapis et réduire les nuisances ou... Vous proposez qu'on mette un AIFRA pour 73 000 euros sur le 447. Qui était juste un tapis là où il y a des pavés actuellement sur la place. Oui. Mais, bon, bah, ok. 447, avis favorable pour la somme indiquée. D'accord. Alors, le projet 587. Pardon, madame Roy. Juste, peut-être que je n'ai pas très bien suivi, mais je n'ai pas bien compris. L'avis défavorable là, pour le projet sur le rond-point angle boulevard Vaugirard-Pasteur dont on vient de parler. Est-ce qu'il y avait le 447 avis... ou le 1019? Non, le 1019, il y avait un avis favorable des services techniques. Hein? Non, le 1019, il y a un avis défavorable parce qu'on n'a pas encore engagé les 1,3 million du budget participatif 2016. Mais l'avis technique, il est favorable dans le... Non. Alors moi, c'est ce qu'on a sous les yeux. Ah ben oui, mais moi j'ai avis défavorable sur mon papier. Ah oui, oui, non mais, oui, ok. Mais nous émettons un avis défavorable, effectivement, parce que, franchement, il y a déjà 1,3 million de travaux qui ne sont pas engagés. Et donc on les attend, d'ailleurs, c'est l'aménagement du voir Pasteur. Donc on sait que si on les vote, ils ne seront pas engagés. Donc là aussi, c'était votre jurisprudence, que vous n'avez pas totalement tort là-dessus, c'est que quand ce sera réalisé, on resoumettra la chose. Voilà. Projet 587 de mise en place de protection contre les crues de la Seine. Alors, elle a reçu un avis défavorable à la DV2 en raison de son coût, qui devrait être pris en charge par l'État. Les choses sont un tout petit peu plus compliquées que ça. Hein. Bon, voilà des années qu'on se préoccupe de la survenance de la crue centennale, qui ne saurait tarder, puisque cette crue a une chance sur 100 de se produire chaque année. Et on a bien vu qu'il y avait eu des crues qui étaient assez inattendues, notamment en juin 2016 et puis cet hiver. Donc il y a un risque de crue considérable et d'inondation de tout le quartier Beaugrenelle. Alors bon, moi je souhaite que ce projet puisse être au moins transmis à l'échelon parisien. Mais est-ce qu'on peut avoir une assurance, peut-être pas aujourd'hui, mais franchement, il y a un problème là de sécurité majeure pour l'ensemble du 15e. On sait que si la crue centennale survient, 90 000 habitants du 15e seront sous les eaux. Et particulièrement, un secteur qui est celui du quartier Beaugrenelle, qui est un secteur très particulier, unique à Paris, avec des tours qui sont en bord de Seine, et qui seront immédiatement inondés, et que surtout, le fait que l'électricité soit coupée amènera l'évacuation de 10 000 habitants d'un seul coup. Donc nous multiplions les réunions avec la mairie centrale, les services de l'État, etc., et même maintenant de la MGP, de la métropole du Grand Paris, pour prévoir des mesures de prévention de cette crue, en attendant aussi la création d'un nouveau barrage réservoir de la passée, sauf que ça coûte 500 millions d'euros, mais qui permettrait de diminuer de plusieurs centimètres, 15 à 20 cm, une crue qui surviendrait à ce moment-là. Donc moi, je dis que toutes les mesures de protection contre la crue sont absolument indispensables. La crue, elle arrive. On sait que le coût d'une crue pour Paris serait de plusieurs dizaines de milliards. Donc, je ne sais pas quel est le coût du projet en question. Je ne sais pas si quelqu'un a étudié la voirie, peut-être, dont vous avez des éléments. Mais franchement, si on ne peut pas le payer au niveau du 15e, moi je dis que c'est indispensable de le payer au niveau central. Enfin, là, on prend une responsabilité, moi, que je ne prends pas, qui est de ne rien faire, enfin, ne rien faire, j'exagère, mais de ne pas en faire suffisamment pour la prévention de la crue. Alors,
Notre analyse, l'analyse technique des services, c'est qu'il y a quand même déjà des dispositifs anti-crues installés. Alors, on pourra toujours vérifier, puis revenir vers vous avec le, par rapport à la crue centennale. Hein, mais le, pour le moment, il y a des dispositifs qui ont été... Le principal, justement, c'est au niveau Beaugrenel, qu'on met en dernier en œuvre, hein, qui a été mis en juin 2016, mais qui n'a pas servi, hein, qui n'a pas eu les pieds dans l'eau. Et qu'on n'a pas eu à mettre en janvier dernier. Donc après, on peut refaire un point pour théorique sur le et revenir vous refaire une présentation avec les services centraux qui gèrent ça. Mais l'analyse des services était qu'on avait déjà tous les équipements nécessaires pour répondre. Oui, je sais. Le général Gamelin disait la même chose en mai 40. Hein. Donc c'est à peu près le même raisonnement. Et vous savez comment ça s'est terminé. Donc, mais je suis en total désaccord avec vous. Bien sûr que non, les services techniques n'ont absolument pas les moyens. C'est une catastrophe. On a frôlé la catastrophe cet hiver, et je pèse mes mots. D'abord, il y a eu des inondations partout, dans les sous-sols, les caves. Enfin bon, ça c'est aussi différent, mais enfin, ça veut dire qu'il y a quand même un gros problème. On a failli avoir une catastrophe. On était à deux doigts de la catastrophe dans les tours, hein. Alors, on essaie de remonter les installations électriques, les transformateurs et tout ça, ce qui est un autre sujet. Mais moi, je dis que, à part un vague bâtardeau, OK, qui ne tiendrait pas 5 minutes, nous n'avons pas du tout ce qu'il faut, les équipements. Moi, je me propose même la constitution de digues, de construction de digues dans la Seine pour limiter la crue. Alors bon, on ne va pas traiter ça ici, évidemment, mais le sujet est majeur. Moi, je dis aujourd'hui, pour le 15e, le risque majeur... Le cataclysme, le risque cataclysmique majeur du 15e, c'est la crue centennale. On va se la prendre plein pot, hein, avec des raisonnements comme ça. Donc, voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc, si on peut avoir quand même là-dessus une avancée, Madame Roy. Oui, sans aller dans... aussi loin dans vos propos, je pense que ça mérite peut-être effectivement d'être approfondi, effectivement pas maintenant, mais peut-être d'être revu, même si effectivement on peut quand même faire confiance aux services techniques de la ville, mais il y a peut-être sans doute un sujet à approfondir, donc on peut peut-être effectivement regarder ça. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire, et pour avoir passé des heures et des heures sur ce sujet avec différents services, même ceux de l'État et ceux de différentes administrations, je peux vous dire que oui, le risque est majeur et n'est pas pris en compte au niveau où il devrait l'être. Et tout le monde le sait, à la ville, comme à l'État, comme ailleurs, simplement, personne ne veut payer. Et quand on va se prendre la crue, l'arrondissement du 15e est le plus touché, un tiers du territoire sous les eaux, quand même. C'est comme ça, au passage. Alors, je ne dis pas que c'est le budget participatif qui a réglé le problème, évidemment. Il faudrait d'abord que l'État, les collectivités, se mettent d'accord pour le 5e barrage réservoir de la passée, hein. Mais comme et ça avance un peu, mais bon, pas suffisamment. Bref, le projet 1292 porte, lui, sur l'embellissement de la place de la Convention avec l'implantation d'une œuvre d'art à la sortie du métro Convention. Le problème, dit-on, est que cette œuvre est déjà installée au Palais Royal sous gestion de la RATP, que la DAC n'est pas favorable au fait de la récupérer, que la DVD n'a pas trouvé lieu pour l'implanter. Beaucoup d'incertitudes donc pour ce projet, très intéressant. Malgré tout, donc il faudrait que la RATP, la DAC et la DV se mettent d'accord sur un calendrier avant que nous ne validions un tel projet. Un avis défavorable, ce qui n'empêche pas qu'il faut vraiment étudier, comme on l'avait déjà envisagé, une reconfiguration de la place de la Convention, qui n'est plus, c'est quand même le centre du 15e, et ce n'est plus à la hauteur des rénovations, par exemple, du cinéma et puis de la rue qui l'allonge. Enfin, franchement, là, ça nécessite un aménagement. Mais enfin, là, c'est un projet culturel avec un avis défavorable de la DVD. Projet 2072, rénovation de la place Henri Rollet en place de village. Oui, enfin, pourquoi pas, puisque la place Henri Rollet, pour ceux qui l'ignoraient, est la première place du 15e. C'est là qu'a été fondé le 15e dans le village de Vaugirard, sur la route de Paris-Versailles, quand Louis XIV... a décidé de s'installer à Versailles. C'était la première halte sur la route de Versailles. Et donc, c'est là qu'on a eu la première église, le premier relais de poste qui a configuré les origines du 15e et de Vaugirard. Donc, cette place, c'est ni fait ni à faire, effectivement. C'est un projet qu'on construit. Bon, la DVD a émis un avis défavorable, parce que, bon, c'est cher, mais... Mais moi, je y suis très favorable, donc je propose, moi, un avis favorable. Si vous pouvez me dire
un peu quel est le budget de ces... Et en plus, c'est très demandé par le conseil de quartier, qui à chacune de ces réunions, on l'évoque pratiquement. Madame, monsieur Passieux, qu'est-ce que... L'avis défavorable, c'est été émis, notamment par nos services centraux qui feraient l'étude d'aménagement. C'était plus dans le fait de dire que c'était de l'aménagement et que dans le calendrier, on ne savait pas faire à la fois l'étude qui peut être relativement importante, effectivement, parce qu'il y a quelque chose de sensible, et les travaux. Transformons le projet 2072 en étude. Non ? Alors, non, c'est une possibilité, oui. On peut pas. Donc, de toute façon, si on peut pas faire l'étude, on va faire de travaux, c'est sûr. Mais est-ce qu'une étude relève ? Enfin, c'est ça que je sais pas. Est-ce qu'une étude ? Non. C'est un projet global, études et travaux. Moi, c'est un projet vraiment très poussé par le conseil de quartier et je pense qu'il faut se lancer là-dedans. Moi. Combien ? De toute façon, on vient faire les études avant les travaux. Le financement du budget participatif ne pourra pas concerner uniquement le financement de l'étude. Oui. Ça, on est... C'est ça, bien voilà. Sûr. Mais, bon, moi, je propose qu'on prenne 100 000 euros pour recommencer. Alors, avis favorable, 100 000 euros. 9 projets sont portés maintenant par le secrétaire général. Le projet 601 porte sur l'installation de 10 bornes de recharge pour téléphone mobile dans les équipements municipaux. Je croyais qu'on allait pédaler pour recharger les téléphones. Ça coûterait moins cher. Hein. Donc, bibliothèque, gymnase. Alors, c'est vrai que, en fait, comme on a envoyé une délégation, dont moi-même, à Vivatech, au salon Vivatech, nous avons découvert ce dispositif que la mairie du 15e va acquérir à titre expérimental. Donc, on va le déployer sur nos propres crédits, avis défavorable, parce que financé par la mairie du 15e. Projet 1280, intégré au regroupement des rues intelligentes dans le 15e d'un montant de 550 000 euros qui porte sur l'installation de capteurs de pollution et d'analyse de l'air, projet qui recueille l'avis favorable du secrétaire général pour 100 000 euros. Avis favorable. Projet 883, installation de girouettes connectées dans les rues du 15e. Ça nous arrangera sur le plan politique aussi. De ce projet est intéressant. Il était en test d'ailleurs, à Montparnasse, il y a encore quelques semaines. Le problème, c'est que ce dispositif n'est disponible sous la forme d'une location longue durée. Et donc, ce n'est pas un investissement. Et ça ne peut pas être financé par le budget participatif. Donc, pas de girouette dans le 15e. Voilà. Le projet 2071 porte sur un espace dans le 15e de réalité virtuelle et d'e-sport pour tous. Avis défavorable des services en raison de l'absence de local et du coût de fonctionnement très élevé. 872, mobilier urbain adapté aux usages. Le projet 874 porte sur des chaises solaires et le projet 1541 sur des bancs musicaux. Enfin, pas de progrès. Hein. Compte tenu de la singularité de ces trois projets, nous proposons qu'ils soient élevés à l'échelon parisien, comme indiqué par les services centraux, d'ailleurs, qui le recommandent, puisque bon, c'est une envergure parisienne, donc un avis défavorable local et porté ce projet parisien. Le projet 789 porte sur la mise en lumière du pont rail de la petite ceinture. Avis défavorable, car juridiquement et techniquement, il est impossible de mettre des luminaires sous des ouvrages d'art non restaurés. Tac. Avis défavorable. Projet 644 de travers sur la coulée verte, qui recueille un avis défavorable des services en raison des difficultés techniques de faire venir des wagons sur la petite ceinture, ça sans doute. Donc déjà, la draisine ne marche plus. Pourtant, je l'avais inaugurée avec Madame Hidalgo. Donc c'est quand même dommage qu'elle soit plus en service. Bon. Voilà. Ensuite, alors, nous terminons ainsi l'étude des 115 projets qui avaient passé différents filtres mis en place par les services centraux. Alors, le 15e bénéficie par ailleurs, titre d'information, comme l'an dernier, d'une enveloppe quartier populaire QPOP qui est passée après un débat en conseil de paix de 100 000 à 300 000 euros. Donc on l'a évoqué tout à l'heure pour bien distinguer. Donc vous le savez, cette année, 2 budgets participatifs supplémentaires ont été mis en place, celui des bailleurs sociaux et celui de la RATP. 2 bailleurs, Paris Habitat et la RIVP, ont décidé de le mettre en place dans le 15e. Donc on en saura davantage plus tard. Voilà.
Pour conclure, le tableau que nous venons d'étudier va désormais être complété avec les différents éléments que nous venons d'analyser. Mon cabinet vous l'adressera au plus vite afin que la liste puisse être rendue publique sans délai. La mairie du 15e va à présent s'attacher à informer au mieux les habitants, principalement par voie électronique et dans le magazine Info 15. J'ai par ailleurs prévu d'organiser une réunion publique mercredi 5 septembre à 18h30, ici même, au cours de laquelle, comme l'an passé, d'ailleurs, nous présenterons les projets et répondrons aux questions des habitants sur tous ces projets soumis au vote. Et je le rappelle pour mémoire, le vote se déroulera du vendredi 7 septembre au dimanche 23 septembre. Vote qui se fera par voie électronique, mais aussi grâce à 5 ou 6 urnes fixes et plusieurs urnes mobiles qui signeront le 15e sur un triporteur électrique, comme les années passées. Et les projets retenus seront annoncés le 27 septembre par la maire de Paris. Projet parisien, projet d'arrondissement. Il me reste à vous remercier d'avoir participé à cet exercice difficile, hein, et inédit par son ampleur et son concept même. Y a-t-il des interventions ou questions diverses? S'il n'y en a pas, eh bien voilà, nous avons travaillé rapidement. Alors bon, c'est un peu rapide parfois, mais enfin, les projets ont été très longuement étudiés, instruits par les services et par la mairie du 15e. Donc on a pu ainsi décider de ce qui serait sous le vote. Merci à toutes et à tous. Midi quand même, ça se termine. Thank you.